oui, mes PMG, comment ça va? J'espère que vous allez bien, on est chaud, on est beau, on prend du service et bienvenue. Ouais, on est là. Voilà, artisan de la Gualida, merci Gégé qui bouge le live d'entrée. Même pas commencé, c'est énorme. Comment vous allez? Comment ça va, mes TLG? Est-ce que ça va bien? Alors, hop, on est parti, tac. Yo, mon baldouille. Ça va, mon baldouille, tranquille. Alors, attends, on va prendre le service. Normalement, il y a le cupine. Alors, hop. On va voir ça. Tac. Tac. On a la nouvelle fréquence radio. Ouais, vous savez qu'il y a tout un tralala. Maintenant, je mets 2 secondes pour le lancer. Ouais, je suis devenu trop fort. Hop. On a dit 18. Je suis en service. Dispatch. Pouf. Allez, hop là. On lance Lucas en attente de dispatch. On va regarder ça. C'est plus de 2000, mais 6000 maintenant, exactement. Sinon, ça va, mon baldouille, tranquille. Ça fait plaisir, baldouille. Ça fait plaisir de voir les copains. Alors, hop, on a dit... Attends, ici, il faudrait que j'ouvre le Discord. Ça serait fort sympatoche. On va en avoir besoin. Pour trouver notamment la fréquence radio. On the radio. Wow. Ouais. C'est bonheur, j'avais envie de live, en plus il y a la copine comme j'ai dit qui s'est connectée, qui m'a dit ouais, on part en service, et j'ai demandé qui, il y a du monde de dispo, elle m'a dit ouais, je suis là, donc t'es là, hop, voilà. Donc du coup c'est cool parce que j'aime bien tourner l'après-midi aussi, c'est plus tranquille pour les codes, etc. Alors attends, parlant de code radio, alors hop, d'accord, c'est ça. Ouais, je sais. Karaoke time. Alors, on a dit... 24.25. Ok. Donc là, on est bon. Manger, boire. On va prendre à manger et à boire, les amis. Très important, ce qui se passe dans mon ventre. Du coup, on a dit on va prendre 6. Comme ça, si on fait une grosse tournée, on va en prendre 4. Comme ça, si on fait une grosse tournée... Ouais, je sais. Du coup, il faut que je dépose ça. Putain, on n'a pas déposé hier. Il faut que je dépose ça, pièce à conviction. Hop. Et on va marquer coffre. Alors, le coffre. Il est où le coffre? Hop. Le coffre. Putain, il est où ce coffre? C'est en bas, vers le bas. Je crois. Coffre. Donc on était combien hier? Le 13? Ça donne rien du tout. Non. Mais en plus, je vais là pour l'instant. Mais ça, parle ça, s'il te plaît, sur Discord. Entre nous. Parce que. Il n'y a même pas lieu là. Tu vois, c'est plutôt comme je dis. Moi, c'est un truc. Ça dure 1 an, 2 ans, etc. Je m'en bats les couilles, tu vois. C'est juste pour s'amuser. Non, il n'y a pas de soucis, Guégué. Et en plus, je t'ai répondu, mon gros. Coffre. Donc, on était le 13 hier. On était le 13 ou pas? Ouais. On était le 13, ouais. 13. Tac. Récupérer sur le comptoir d'Apu. Et j'avais combien? Tac, c'est $133. Donc, $133 récupéré. Donc, suite 10,40. Suite 10,40. Et on va dire. 128 des 19 PDP de Vespucci. Le 13, la base. Alors, on a dit, attends, $133 récupéré sur le comptoir de suite 10,40. Voilà. Ah non, sur le comptoir d'impôt, on marque raison. 10,40. Voilà. Et là, on peut repartir. J'ai mes 36 balles, j'ai mon pistolet. J'ai tout. C'est beau ça, picha. Alors, attends, on va monter un peu le son. On va le baisser un peu radio.
Voilà. Alors, pour l'instant, je suis seul. Elle devrait pas tarder à arriver. On va voir ça. On est parti. Allez. On est chaud. Et mes respects. On va ça. Tranquille. Hein. Alors, hop là. À 92, on se rend sur le dernier 10-59, on est actuellement à 2 km. Eh ouais, mais moi pour l'instant, je suis obligé d'attendre la copine ou de prendre le service qui fait la radio. Ok. En fait, Kevlar Radio, à mon avis, c'est le petit gilet qu'il y a dessous, je pense. C'est le petit gilet qu'il y a dessous. C'est se mettre un petit fond de musique en après-midi. Ouais! Ouais, j'aime ça. On va se mettre un petit fond de Zikmu, là. Tranquillamente. Hop, fais voir un peu. Qu'est-ce qu'on se met? Du rap, de la dance, de l'électronique, de la pop? Tu vois de la pop? C'est quoi la pop? C'est quoi la pop? Oh, c'est bizarre la pop, hein? C'est bizarre, hein? Fais voir. Voilà, on va se mettre ça. Ça, c'est bon, ça, papa. Ça me fait mine, hein? Voilà. Dealer. Comment ça va sinon, les amis? Demain, il y a la saison 3 de Extinction G-Life qui arrive. Demain, on se saigne en live. Mais quand je dis on se saigne, mais on se saigne. On se tue en live, mais vraiment, vraiment de ouf. Hein. On va mettre 20. Voilà, 20. On est bien. Voilà, soit on a. J'ai hâte de ouf. Donc, on va faire un petit wipe aussi, nous, dans la team, histoire de garder vraiment les vaillants. Ceux qui jouent plus comme ça, ben, ils ont plus lieu d'être. On va re-recruter ceux qui étaient là et qui ont envie de jouer. On va voir ça. On va voir ça. Alors, elle est où la poteau? La poteau, la poteau. On va voir si elle arrive. Alors, du coup, j'ai pris mon truc là. Ouais, 18. Ok, annuaire. Dispatch. Google Doc. Ok, j'ai tout allumé. C'est nickel, piche. Je me lève à 9h pour jouer. Eh gros, il faut. Moi j'ai pas envie de me baiser la matinée entre guillemets non plus, je vous le dis. J'ai pas envie de me niquer la matinée si jamais tu vois ils te font comment ça s'appelle? Une mise à jour toute la matinée, tu sais, de maintenance. On va voir un peu ce qu'ils annoncent. Ils annoncent quelque chose ce soir, dans la nuit, etc. On va voir. Je crois que c'était dès le matin, heure européenne, si je dis pas de conneries. Hold up. Hold up. Ouais. Donc, du coup, ben, on en est où? On en est presque à la fin de notre deuxième semaine. J'espère sincèrement, franchement, qu'ils vont nous débloquer la situation à la fin de la semaine pour qu'on puisse tourner, avoir la bagnole, etc. Être député pour pouvoir tourner. Vraiment de ouf. Parce que tu vois, comme ça, des fois, t'arrives, t'es bout, donc t'attends qu'un collègue se connecte, etc. Tandis que quand, ben voilà, t'es À député, 92, on prend le 1060 de Innocent Boulevard. tu peux commencer à tourner. Et en parlant de ça, la seule chose que j'avais pas allumé, c'était ça. Voilà, mon beeper. Très important le beeper, sinon je ne vois pas ce qui se passe en ville, messieurs, dames. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Si jamais demain il y a une maintenance, j'attendrai. Bah, comme tout le monde, gros. De toute façon, tu peux pas jouer quand il y a une maintenance, gros. C'est. Tu vois ce que je veux dire? Non, est-ce que tu vois, mon gros? Parce que là, pour le coup, si tu arrives à jouer pendant la maintenance, gros, tu. Voilà, tu es à un niveau, frère. C'est incroyable. Bon, ce qu'elle arrive. On Hold up. va voir quand elle arrive. Yo, bienvenue. Comment ça va? Yo, je trouve. Bienvenue à ceux qui arrivent, bienvenue à ceux qui follow. Tiche, tiche. Voilà. Tiche, tiche.
C'est vrai, XD mort de rire. Putain, ça me déconne, j'aurais jamais dû le sortir cette chimotte pour toi. Jamais, 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 jamais. Il me le met à toutes les sauces. Bonjour, XD mort de rire. J'ai eu un drame cette nuit, XD mort de rire. Voilà, sans arrêt, sans arrêt. T'es incroyable, t'es incroyable, t'es incroyable, gros. Incroyable. Incroyable. Ouais. Tiens, je t'envoie Gwendoline, hein, un tout petit peu. Garde-la. Voilà, ma Gwendo. La base. Bon, on va voir si elle a poteau. Normalement, elle est là, hein. Donc il faut attendre parce qu'hier, certainement, ben, elle n'a pas dormi au poste. Moi, j'ai dormi au poste. Je me suis endormi dans les vestiaires. T'imagines un peu? Là, cette odeur de chaussettes, cette odeur. Tu connais l'odeur des vestiaires? Tu vois, cette odeur qui vraiment ouais, te prend le nez. Même quand c'est fini, en fait, tu peux être n'importe où après. Même dans une parfumerie, t'as encore l'odeur des chaussettes. Ouais. Ça sentait ça quand je faisais de la boxe et compagnie. Ça sentait, tu sais, cette odeur. Les gants, tu sais, les trucs comme ça. Ouais, le sirop de cordhomme, quoi. Ouais. Ouais. Incroyable. Bon, du coup, je vais voir un peu. Ah, on va avoir des nouveaux locaux aussi. Donc le 15, donc c'est demain. On va avoir des nouveaux locaux demain, normalement. Peut-être une maintenance plus longue. Mais en tout cas, on ne devrait pas tarder à avoir des locaux. Parce que là, pour l'instant, c'est petit tout nez. Hein, on connaît, hein, ce mapping, on va dire. Ouais, petit vestiaire, tout ça, etc. La salle de débrief, ça serait bien d'avoir une salle de débrief un chouïa plus grande, hein, tu vois, histoire de que ça fasse un peu classe. Mais c'est vrai que c'est cool, voilà. En vérité, yo mon Aoki, ça va mon gros, tranquille. Hein? Vous aurez un étage. Ben écoute, alors si c'est celui-là, je connais, il y a une petite terrasse et tout, normalement, à moins que ça soit du mapping sur mesure, je sais pas comment il procède sur G-Life. À 92, on met un code de 5 sur Innocent Boulevard pour les 10-60. On est actuellement en full 8. On est actuellement en quoi? En F8? J'ai du mal des fois avec la radio, frère. Il y a des mots aussi qui sont un peu mâchés, donc quand je les comprendrai ou je serai. On est à foot. Ah non, mais moi j'ai entendu en fuite. En fuite. On est en fuite. Ici, elle n'a pas dit on est en foot, elle a dit on est en fuite. Hé! Bonjour, je suis nouveau. Bonjour, Azam. Tranquille ou quoi? Bienvenue alors, V. Tu sais comment on te souhaite la bienvenue? Ich, ich, TLG Gang. Voilà, bienvenue dans le gang. Chez les TLG, la base, regarde, si t'es nouveau, tu veux découvrir la commu, c'est pas compliqué, tu vas sur le Discord. Voilà, artisan de la Gualida. Incroyable. Elle va arriver. D'accord. Salut, salut Wiz. Bien, bien. Tranquille. Comment ça se passe? T'as qu'est-ce que j'ai mis comme animation? Ouais, mais respect. Ich. Ouais, protection des couilles en cas de coup franc. Ok. Ok. Bienvenue Valentin. Bienvenue chez les TLG, mon poulet. Bienvenue à toi. Mais respect. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, écoute, ça va, hein, on est chaud, on est beau. Tu tournes? Prêt. Ouais, je vais me changer là. Ok. Voilà. Toujours bien, moi en plus, j'ai fini à 11h, donc c'est carré, mais c'est carré comme un kiri, comme une pyramide. Ouais, là, tu sais, tu te dis, qu'est-ce qu'il dit le gros? Une pyramide de B. C'est un triangle équilatéral. Et là, tu repars dans tes cours de mathématiques. C'est énorme, c'est assez énorme. Et là, tu repars, je sais même plus. C'est quand que tu apprends ça, le triangle équilatéral, les trucs comme ça et tout. Bonjour Valentin, comment ça va Valentin? Tu vas bien? Hold up. Hold up. Est-ce que ça va bien? Voilà, je fais des sympas, je suis chaud là, je suis chaud pour qu'on tourne. Je sais même plus, moi non plus, je sais même plus. Très bien, et toi? Écoute, ça va. Ça va, franchement, voilà, on avait envie de se courir, on avait envie de proposer du RP cet après-midi de tourner. Et voilà, donc je suis chaud, on m'a dit, des collègues m'ont dit, ouais, je vais arriver et tout. Bah écoute, si t'arrives, j'arrive. Si, voilà, tu sautes, je saute, je connais, bagarre générale, c'est contre une, ça c'est la seg. Merde. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Donc pour le coup. Non, non, voilà, j'étais chaud. J'étais chaud de tourner. J'étais chaud de tourner de ouf. En parlant de ça, j'ai plus d'eau. Demain 2 secondes, je vais remplir l'eau. Comme ça, après, on bouge plus. On bouge plus après. Quelle ambiance, ambiance, scandale, danse de vandale. Voilà, on revient du fait fort.
on est allé. On est allé au puits chercher l'eau. On est allé au puits. Ouais, parce que j'ai un puits dans la maison. Non, je déconne. Ça va, Soltix? Tranquille, mon gros. Qu'est-ce qu'il raconte? Le pulito des familles. Alors. Hop. Et les collègues? Ils sont morts? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font, les collègues? Oh, ça fait un quart d'heure. Elle est où? Oh. Hé hey, 17 minutes, 10 minutes. Comment ça? Tu m'as menti? Prends un dispatch et go à Lincoln. Non, je l'attends, gros. Je l'attends, il y a le collègue 1, il y a le collègue 2. C'est qui ça? C'est l'armurerie, ça? Ouais, d'accord. Ça, c'est le collègue de l'armurerie. Ok. Non, il est en train de se changer, on va arriver. Une petite question. Sur ton Discord, tu as plusieurs commandes. Ou tu en as que 3. Sur mon Discord? Non, sur. Ici, tu as 3 commandes, c'est-à-dire. Non, tu as point d'exclamation. Discord, c'est pour entrer sur le Discord. Et après, tu as des petites commandes parce que comme je suis pas un coffreur, et tu vois, il y a des gens en fait qui te soutiennent avec des subs, avec des bits, etc. Et t'en as qui peuvent pas. Donc, étant une commu, j'ai monté un petit truc que tu mets simplement point d'exclamation yo, et tu utilises comme ça, tu vois, tu utilises des emotes sans même être sub parce que le but, c'est pas de dire ouais, il faut sub, etc. C'est plutôt d'avoir une commu vivante qui kiffe les lives, qui reste entre nous, etc. Et tu vois, même go, tu vois, donc tu as ces 3 commandes qui te permettent en fait de balancer des emotes sans même être sub. Voilà. Et pour tout te dire, c'est même moi qui sub la cousine, donc la modératrice, pour utiliser ces commandes. Ok? Donc voilà, c'est du partage. Comme ça soutient, ben moi je renvoie la force. La base, non? Elle base. Hein. Va arriver le collègue. Il y a le collègue qui va arriver, il y a la collègue qui va arriver. Et je te jure, le jour, ils peuvent mettre des essuie-glaces sur les trucs là. Énorme. T'as une voiture là, non? On va voir ça. Ouais, donc du coup, voilà, tu vois. Et après, bien sûr, que des commandes, t'en as d'autres. Il y en a beaucoup des commandes. Il y en a énormément. Mais après, il y en a pour les modos, il y en a pour vous, il y en a pour tous, il y en a pour. Voilà, hombre de la calle. C'est la base, hein. Ok, merci franchement, tu animes tellement. Ah, bah écoute, on essaye en tout cas. Tu sais, là, on est partenaire depuis quoi? Depuis à peu près 6 mois? Un truc comme ça. Et voilà, là j'ai changé de serveur très récemment, ça fait à peu près un mois, je m'y plais, nouvelle aventure, tranquille, lui il est tout jeune, tu vois, petit bout, tranquille. Voilà, on démarre dans l'aventure des shérifs, et franchement ça se passe, puis tu peux faire du RP civil et compagnie, avec mon histoire sur Sandy Shore, tout ça, etc. Donc franchement carré, voilà, carré. Après moi c'est vrai que quand je tourne, j'aime bien quand c'est animé, que les gens parlent, etc. Et il y a des fois, j'avoue, tu te fais chier en tant que bout parce que t'écoutes, tu suis, etc. et compagnie. Tu connais Sam Watkins? Les noms, frère. Non. Les noms comme ça, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. Pourquoi? C'est quelqu'un que je dois connaître, gros? C'est toi? C'est toi? Tu es Sam? Nous sommes Sam. Répète, nous sommes Sam. Nous sommes Sam. Nous sommes Sam. C'est qui Sam Watkins? Attends, je vais regarder dans mon truc. Attends, qui c'est qui m'appelait là? Rossi! Il m'appelait à 1h30. Ouais, mais 1h30, pas j'ai dormi, merde. Incroyable. Quand tu monteras en grade, ça sera mieux. Oui, Sam, c'est celui qui ne boit pas exactement XX. C'est ça. Moi, j'ai cru qu'il avait patrouillé avec toi. C'est un boot. Alors, tu m'as dit quoi? Hotkins? Attends, Hotkins. Regardez comme ça. Kins. Hopkins! Ah, Sam Hopkins! Sam Hopkins! Putain, ça me parle. Après, putain, les noms et tout, j'en suis désolé. Ouais, 306. À savoir, c'est lui qui a là, je sais même pas des fois les noms. 2-0, Donc, personne ne fout ni pas numéro drive. Mais respect! Oula, bonjour, ça va? Il va où? Il va où? Il va où? Il va où? Ah! Ah! Partez pas! Vous partez seul? Et non. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah! Hey! Reviens! Revenez! Reviens! C'est pas si bas. Ah, non, j'allais juste check dans le garage si mon véhicule avait été livré après Ah! presque un mois! Incroyable! Vive Incroyable! ça! Hey, Putain! en cœur! Alléluia! Attends, Ouais. le. Je l'ai commandé, enfin je l'ai noté dans le 22, Ouais, le ouais, 22 ouais. du mois passé. Et ce matin, il est arrivé quoi? Incroyable, non? C'est énorme. Putain, j'ai fêté ça, hein. Bah ouais, mais Sympa, du coup tu prends du service ou pas?
Je me tâte. Ah, si on se tâte, on va monter dans le nord. Qui c'est ça? Respect. Ah, on t'entend pas, toi. Tu vois? Alors. Du miel, hein. Non, faire du mime. Alors, moi, être. Moi, je parle pas le langage des signes. Moi, vouloir faire service. Je crois que c'était le collègue là qui est rentré se changer, non? En fait, quand il a changé les vêtements, je crois qu'il a laissé la voix sur le, sur le vestiaire. Mais qui c'est? Mais. Alors? Digala. Il est pas en dispatch, hein? Ohé. Au bal masqué. Elle ne peut pas s'empêcher, ohé, de danser. Alors? Attends, me dis pas que c'est Roger. Je sais pas, j'entends pas. En fait, il arrive pas. Depuis tout à l'heure, il fait comme ça. My God, I feel canny. Ok, j'ai un moyen. De... Alors? De toute façon, des shows, il y en a pas beaucoup, mais il était pas chaud. Non, mais je crois que c'est. Si j'ai pas de conneries, je crois que c'est un bout qui est avec moi. Mais non, il a pas de cravate. Ah ouais, c'est pas faux. C'est pas con. Bien vu. Et Roger, il est Détroit, donc il a des galons. Et là, il y en a pas. Mm-hmm. Est-ce qu'un bout aurait mis pas de cravate? Yo mon Sama, ça va mon gros? Tranquille là? Oh. Ah ça y est. Hein? Ouais, on peut parler. La mère à qui? Non, pas moi. Pourquoi vous êtes chaud, Roger? Yo, merci Louis. Merci pour ton sub. Ouais, c'est bon. Il y a du lourd en approche. Eh ben c'est cool mon gros. C'est cool. Ça fait plaisir que tu passes. C'est quoi? Oh l'enculé. C'est quoi? Hey, non. C'est pas bon de faire ça, tu sais. Hein. C'est quoi? Là, j'sais. Attends, je vais mettre des galons parce que. Attends, je vais faire une annonce. Là, je m'en branle. Je vais faire une Pourquoi annonce. Pour une balle? Putain, pour une douille, quoi, merde. Putain, non, mais c'est pas normal ça. Il y a une étiquette. Ah, tu as fait le dossier? Bah, c'est cool. Et que je me suis tâté un P2, gros. Je vais envoyer un Yo, le oui, merci un beaucoup mail, pour ton sub. Raison. Merci. Bon, Andolini, vous êtes en forme. Je prends pas mon service, moi. Bah, moi je suis toujours en forme, bordel de merde. J'attends de tourner. Je vous jure, je fais une tournée à pied s'il faut. Ah, tu veux qu'on te tourne? Ouais, si ça vous fait plaisir, vous savez, moi je suis bi, y'a pas de problème. Ah, viens. Je déteste les mouches, t'avais une mouche. Je déteste les mouches. C'est vrai? Sur ton uniforme, et t'es en train de faire caca. Ah ouais? Ah ouais. Tiens, par contre, vous avez un œil affûté pour voir chier la mouche, quand même, c'est énorme. Des heures de technique foudroyante. Un tétoscope. Vu qu'ils en wipe, ouais, je sais ça, moi j'ai vu le dossier, gros. Bon, du coup, il y avait un bout, c'est ça? Cherchons-le. Ben ouais, il est dans le vestiaire, vite, à la recherche du bout perdu. Attention, 1, 2, 3. Boot. Eh non, il est pas là. Il est où? Il est parti où? Bouté. C'est quel bout? Quel bout? Je sais pas. La vérité, je l'ai vu passer tellement vite. Je sais même pas qui c'est en fait son nom. Je suis un mytho, hein. Je sais qui c'est, mais. Putain, par contre, heureusement, j'ai pas attendu après ma colle, hein. Il m'a dit, je suis là dans 5 minutes, gros. Ça fait une demi-heure. Il est en bas. Il est en bas? Il est en bas, là. Il est en bas. Bouté. Ouais, je suis là. Ouais. Allez, c'est parti, on va tourner. On va arrêter les méchants. C'est le moment. C'est quoi? C'est Nook, ça? Nook, oui. Putain, j'arrive pas à mémoriser vos... Ok, ok. La tête avec le visage, pardon, et la coupe la plus commune, bah c'est moi. Ouais. Non, à la rigueur, il faudrait que j'ai un petit signe distinctif. Ouais. J'aime teindre en rose. Non. Je crois pas que ça marche. Blanc. Blanc, genre type. Voilà, ouais, rose pute, comme ça on me voit dessus. Rose quoi directement. Rose quoi? Est-ce que vous savez que dans l'histoire, le rose est la couleur des garçons et le bleu celle des filles? Ça a été changé au niveau ensuite de l'étymologie grecque. Par rapport au croisement qu'il y a eu avec, oui, avec les Perses et compagnie. Ouais. D'où Percy Jackson. Ouais, l'histoire. Oh là. La base. Ça reste un rose pute maintenant. Non, vous prenez votre service. Ouais. Prends ton service, toi. Oui. Dépôt de taxi, je procède à l'interpellation. Oui. Ok.
capté. Ah, je vais pas envoyer deux bouts sur le terrain. Comment ça, comment ça, bien sûr, on y va. Ah oui, 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 venez en service. Après, en soi, on peut aller en Adam. Ouais, en soi, vous allez prendre le volant et la radio et moi je vais branler les couilles comme d'hab. Hein. J'ai des rapports à faire en plus. Donc... Ah, alors j'ai jamais testé ça, ça doit faire taper mal quand même de se branler les couilles. Bah, c'est vrai que directement les couilles, ça doit pas être agréable. Sincèrement, voilà. Ça on presse un peu, ça va pas être agréable. Et puis moi avec les boules que j'ai, je dois y aller demain, désolé mais... Wouh. Et les montées de sang en plus, ouais. C'est pas faux. Pour le coup, on est parti. Après ça fait effet ventouse, t'as... Ouais. Et puis, appelle l'air. Mais ça reste bloqué, non. Oh, joli, joli, j'aime bien. Ah ouais. Ta 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 ta. Ah bordel de merde. Ah, incroyable. Attendez, j'arrive. Ouais. Ça y est, va se branler les couilles. Je vais essayer. Aïe. Yo mon pastaga, ça va gros, tranquille. Hold up. Je fous du dispatch. Hold up. Allez. Jish. En tout cas, jolie coupe balayée sur le côté. Hein. Franchement, ouais. Ah, j'aime beaucoup la wave. Ah bah 45 minutes tous les matins. 45 minutes, putain, moi je mets 47 pour ma moustache, c'est énorme. Ah, du travail d'artiste. Hein. Alors, copier, voilà, dispatch, hop. Voilà, dispatcher. Hop. Et vous avez quoi comme voiture, vous, une Ferrari? Non, je paye pas assez encore. Ok. Tiens, en parlant de paye... Attendez, je fais le bordel et on... Ouais. En parlant de paye, jamais on est payé ici. Écoutez, je crois qu'il y a 2 semaines de retard, là. D'accord, ah ben ça fait plaisir. Le jour où on va, en fait, on touche la paye, on gagne le loto. C'est pas 3 semaines. J'ai même pas eu la prime du gouvernement, là. Ah, vous avez été... Ok, ouais. Ouais. Vous avez noté vos... Enfin, vous avez envoyé vos numéros de compte à Compta. Ah oui, dès le début. Okay, 9989, si vous voulez faire un virement, on sait jamais. Mes respects. Ah oui, la base, le virement et tout le reste. Et oui, quand il s'agit de thunes... Ah ouais. Musique et compagnie, tutti quanti. Ah là, bordel de merde. Incroyable. Du coup, nous sommes le 14. 14. Oui, 14, comme c'est dit in italiano, artisan de la qualità. Oula. Si. Ah ben ça, c'est les origines andolinesques, hein. La base. Et puis maman ramenait pas mal de monde aussi. Pas mal d'amis, etc. Quand elle finissait le travail au Unicorn, ben, quand papa était en congé ou était en mission, ben, ça venait, ça parlait un peu toutes les langues. Shifumi. J'imagine. Ouais. Voilà. Putain, j'ai mangé des bonbons hier. J'ai le tafanar et le fion qui gratte un peu. Ouais. C'est ce qu'on dit. Qui se lève, qui se couche avec les verres au cul, se lève avec. Alors ? Attendez, je fais mon dispatch ! Avec le doigt qui pue. Oh, c'est grave. C'est grave. La base. Eh oui, Soltix, tu connais. La base. Herbaza. Ah ouais. Bon, ok, on va partir en temps. Et quand on sera si un jour on est député, on pourra lever la... Moi, j'aime pas lever la cravate. Je trouve ça classe, la cravate, non? Ouais, ben, faudra du coup attendre de seigneur député pour pouvoir la mettre. Non. C'est ça. Incroyable. Comme vous dites. Ah ouais. Ouais, bah ben, on va faire vite alors, hein. Bon, il est où, le Elisha? Ok. Je sais pas. Il est déjà outé. Je suis là. Let's go. Opérationnel. Yep. Allez, let's go Power Ranger. On est chaud. Another one dust. Putain, ça tue avec la démarche. Another one by the dust. Hey, how I got to do. 01, un individu interpellé au niveau du dépôt de taxi. Ah ouais, un individu interpellé, okay. Ça bosse. Ça gère.
ils sont en train de charbonner là, ils ont quand même réussi à faire une OP ces 27 dernières minutes. Incroyable. Tu conduis déjà? Tu veux que je fasse la radio ou le contraire? Comme tu le sens. Comme tu veux toi, moi je suis chaud pour conduire, je conduis, allez. Allez vas-y conduis. Ok, après on switch quand tu veux. Premier garage donc c'est premier étage non? Ouais je vois. Et c'est quoi? Merci mon Rizzaro! 364. Merci mon gros, merci pour ton sub niveau 1. Ouais, deuxième mois d'abonnement. Merci mon gros, ça fait plaisir. Quel soutien. Alors. 364 c'est lui. Ouais. 364 cette année. Ouais, ok. De la remettre. 0-1-10-15 au poste avec un individu. Oh, elle tue. Ça peut pas rajouter un peu des antennes là? Non, si, il y en a un peu quelques-unes, mais c'est pour capter les chaînes de pirates. Vive la TD, j'aime bien. Vive la TD. Vive les lecteurs de plaques. Vive la TD. Non, c'est les chaînes câblées et tout. Ah ouais, mais là on capte, je crois, jusqu'au fin fond du Zimbabwe là. Hein. C'est même plus une voiture là, c'est des sapins, t'as la maille. Incroyable. Ouais, mais c'est. Un sapin de Noël, on peut dire ça. Allez, on est parti les amis, hein. On est parti pour bon, cette tournée fantastique. Bon, je vous fais confiance les gars, si besoin. Et on verra quand si Vincent elle se court, après ça on a le service avec. Hein. Quand tu veux prendre un call, tu me cries, on prend. Qui moi? Moi je crie en radio, on l'a pris. Ok. On prend. C'est bon comme ça? Ok, on l'a pris. Parfait. Bordel de merde, ça fait bizarre par contre, tu lèves du contexte. On prend, ok, on l'a pris. Là ça fait chaud quand même, on risque... Lui là-bas, on le prend. Oh merde, non, quand même pas. C'est chaud. Déjà à poil. C'est chaud. Un petit tour par là. Hein. Regardez pas ce qui s'y passe. Hein. Ouais. Large. Let's go. Large. De ouf. Coucou Ludo. Ça va mon poulet? Yo Ludo. Comment il va Ludo? Sinon, ça va Andeline, ça s'est bien passé tes soirées? Ouais, deux pécables, écoute, franchement, on s'entraîne en ce moment à faire des bébés avec la cousine, mais bon. Ah ouais. Chaud, ouais. Elle a gagné deux fois. Comment ça elle a gagné? Ben, parce qu'on essaye un tour chacun. Un tour chacun, ça veut dire hein, chaque fois on échange les positions? Ouais, la base. Ah ouais, mais du coup, c'est... comment elle peut gagner? Bah, tu sais, finish him. Paparaparam. Ah ça c'est incroyable. Non mais d'accord, je l'avais pas vu sous cet angle là. Ah ben moi non plus au début, ça fait drôle hein. Mais après ça ah va, ouais, ça passe sûr. Bah écoute, une fois qu'on a testé, voilà hein, faut jamais dire non avant d'avoir goûté. Jamais dire jamais, Fievel est le nouveau monde. Jamais dire jamais. Jamais dans nos cœurs. Tu connais Fievel? Hey Fievel. C'est vrai tu connais pas la petite souris? Non. La petite souris russe, etc. Un dessin animé, pas mal. Ah ouais? Non, je connais pas. Incroyable. Ça me dit rien du tout. Putain, pourtant je suis pas si vieux que ça, 1928 quand même. Ah ouais, tu les fais pas, hein. Franchement, sincèrement, tu les fais pas. Hein. Ah, tout dans la moustache. L'entretien de la moustache. Je t'aurais donné max la trentaine. Ah oui. C'est beau. Tu tombes dans le pile, toi. Ça. 30? Ouais. Oh, je suis fort. Ouais. En fait, j'ai 39, hein, quand même. Pop. Bon. Moi, j'ai fait mes 24 il y a deux semaines. C'est vrai? Et ouais. Ça y est, tu as pété ton gland de lait? Et écoute, au bout d'un moment, il a fallu qu'il tombe. Hein. Ah, bah, c'est ça, hein. La base, hein. Ouais, il est tombé trois fois. Ça m'a. Hein? Ouais. Non, c'était la couche de protection au temps qui est tombée. Ah, là-bas. Merde, d'accord, la coque de lait. Ouais, c'est. Le bouclier de lait. Excusez-moi, j'avais soif, hein. Wouh! C'est moi ou il tape fort le soleil? On procède à un 10-38 sur Attal Street d'une voiture bleue occupée une fois. Bon, ça va, ils ont pas besoin de backup. Ça y est, maintenant, c'est bien rentré les codes quand même, non? Je sais pas pour toi, mais. Non, si, ouais. Ouais, de plus en plus, ça y est, c'est. En vrai, même hier, j'étais avec Wang et Doyle, j'ai pris la radio en pleine soirée et tout, ça allait, ça se passait bien. Ouais, pareil. C'était instinctif, les calls, tout ça, même plus besoin de demander ni rien.
C'est ça. Un petit moment. En fait, à force d'entendre les mêmes trucs, etc. Mmh. et compagnie. Ouais. Bah, en vrai, c'est souvent la même chose en fait. Hein. Il y a rarement de situations vraiment inédites. C'est ça, voilà. Après, il faut retenir les trucs un peu inédits, histoire que si ça arrive, on réagisse bien direct. Mmh. Mais bon. Bah, le seul truc qui demande une vraie réaction en soi, c'est le code 99, parce que les c'est autres ils disent je suis à tel endroit, je fais ça, il y a besoin de renfort ou pas. Ils le disent eux-mêmes. Ouais. Et aussi, après... j'ai pris à quelle heure votre service hier? C'est ça? Quand j'étais au dispatch. Y'a pas Rossi, hein? Non. Rossi, Andolini, pardon. J'ai pris mon service à quelle heure? 21h, je crois. Hier. 21h. Non, vous l'avez pris avant, non. T'as fait la soirée avec, après. Avec Rossi. Et je suis parti avec Harrington. Bah, je veux pas dire de bêtises, mais normalement, c'est aux alentours tous les jours, ouais, de 21h. Donc. T'étais là avant ou après qu'on ramène les. Maintenant, t'étais là avant 21h parce que je me souviens qu'on prenait les voitures. Un peu avant, léger, ouais, chouïa. Yo, mon prix d'eau! T'es vers 20h, non? 19h ou pas? Non. Impossible. Ouais, le non, je pense 20h30, un truc comme ça. Non, parce que je mange et après j'arrive. En fait. Allez, ça tchatche avec les capotes des bagnoles, c'est incroyable. Il a vu la grosse cylindrée, il a voulu lui montrer son cylindre. Incroyable. A92, code 4 sur le 1038. Ça fait plaisir. Aïe aïe aïe, ça s'appelle lui la réforme. Bon, après, c'est après-midi, tu vas me dire. Pourquoi le code 4 sur le 1038, on ne le dit plus? Le 1038, tu ne le dis pas, sauf si c'est vraiment des trucs importants. Important, ouais, danger quoi. Tu sais, il y a un après, c'est l'après-midi, un convoi ou quoi. C'est pas trop surchargé là, la radio. Donc, Mais tu sais, si on t'annonce un convoi et tu dis tu contrôles une des voitures, là, t'annonces le 1038 et tu demandes de potentiellement un renfort, tu vois. Ouais, ouais. Ça sert à rien. D'accord. Bon, ok. Quand même, graphiquement parlant et tout, c'est une tuerie ce jeu. Oh. Tu te rends compte, ça fait 2 ans que je suis à fond dessus dans le RP et compagnie, ça... J'ai toujours surpris. Ah là 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 là. Bon sinon, quand c'est que vous mariez vous? Ah écoute, quand j'aurai trouvé mon âme sœur hein. Ah bah tu vois, après on dit que je suis bizarre avec les cousines etc. Toi tu veux choper ta sœur? Non, l'âme de ma sœur. Ah l'âme, d'accord, pardon. Ouais. Ok. C'est autre chose, comme ça quitte le corps en soi, ça va. D'accord, ok. Il y a plus de bail de consanguinité vu que c'est plus le même truc. Oh. Ça, non ça, tu sais, il y a un grand chanteur qui chantait consanguinité. C'est le nom que je voulais te donner. Et tu vois, pour le coup, ça pas... Il y a pas de problème, hein. Bah écoute, tant qu'elle est consentante. Exactement, consentante. Ça qui est bien, c'est que toi t'es con et t'es sanguin. C'est pas faux. Et quand je fais l'alliage des deux, ça part très très vite et très très fort. Eh ouais. Ça, le problème, c'est que ça part fort. Ah ouais, très très fort, même. Des fois, je me retiens pas. Hop là. Tu fais ce que tu veux. C'est ça. Et vous, Andoni, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui n'est pas acquis? Attendez, je vais checker votre dossier. Bon, sincèrement, normalement, j'ai quand même un peu tout vu. Hein. J'ai fait le tour. Il y a même des. On m'a dit contrôle routier, j'ai pas fait, j'en ai fait 8 ou 9. Attendez, je vais checker. Super raid, 5 km. On prend? Oui. Allez-y, c'est bon. C'est un peu proche. Ou... Tango 364, 1 km, 10-40. Ah, 1 km, ben, on va checker. A92, on prendra le check. Enfin, pas les taux. Ben non. C'est du tout, quoi, vous m'avez compris. Ouais, mais on prend rien du tout là, non? L'autre il prend le check, l'autre il prend la poursuite, c'est bon, hein. Non oh ouais, ils sont deux, c'est bon. Ah, c'est toi qui as dit on prend le check? Bah, c'est moi, oui. Non, c'est moi, j'annonce la supérette. Ouais, mais en fait, le bail de vous, Nox, c'est que sur la radio, vous avez une voix complètement différente. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ah bon? Du coup, on sait jamais si c'est bah après, j'ai dit ton 364 en soi, donc. Ouais, mais j'ai pas fait gaffe, honnêtement. Mais ouais, autant pour moi. Mais non, mais tu peux, c'est pas ta faute. C'est ouais, sur la radio. C'est pas ta faute du tout, mais. Bah ouais. Donc, du coup, c'est YouTube, on donne la supérette. C'est en haut. C'est juste avant le YouTube. Ça veut dire quoi YouTube? YouTube c'est sur l'autoroute, tu vas voir, c'est un gros bâtiment. Ouais. Ok, bah le YouTube c'est ça. Ok, d'accord, c'est celle c'est de gauche. C'est l'épicerie juste avant en fait. Ok, ok. La freeway. Ok, ok. Direction LS. T'as bien fait de me le dire parce que je l'avais pas vu. De quoi, ta voix?
De quoi? Non, mais ça je peux pas le voir. Ah, d'accord. Vu que c'est moi qui parle, je m'entends pas non plus. C'est pas faux, merde. Non, pour la supérette. Check supérette et contrôle, ça a été vu, Bolini, avec tes cœurs. Oui, largement. 14 du 1. Non, mais largement, j'en ai encore fait deux hier, avec Rossi. Mais avec vous? Hier aussi, on en a fait une. Avec moi? Ah non, on était reparti après avec Rossi tous les deux. D'ailleurs, j'ai récupéré 133$ que j'ai mis ce matin dans le truc. On a checké tout. Avec la létale en premier. Il faut que je fasse son rapport aussi, mais je sais plus la pression sur le score, je lui demanderai. Ah ouais. On était chaud. J'ai oublié donc ouais. Qu'est-ce que c'est chiant les rapports, honnêtement. C'est vrai? Ah ouais. Content d'être boot alors, c'est ça? Ouais, clairement. Hein. Décale, voilà. Repérer toute attitude éventuelle de voiture fuyarde ou quoi que ce soit. Après on est sur une autoroute, les gens qui roulent vite c'est banal. Ouais mais tu sais des zigzags, oui j'ai du zigzag de comme ta planète, ta salopette au zagué, tu connais quoi. Non mais prépare-toi à changer de voie. Ok ok. Si les plots là. Mais ils sont arrivés avant nous les cons. Pas grave, on fait le check. Allez. Tango 364 code 6 sur la super, on fait le check. Je prends le. J'ai une 56, merde. J'ai pris Taser. LSSD, bordel de merde, on va rentrer. Mettez les mains en évidence, posez les armes. Faites pas les imbéciles. Comme il a dit, c'est le LSSD. S'il y a quelqu'un à l'intérieur de la supérette, mettez les mains en évidence. On va rentrer. On va rentrer, mettez les mains en évidence. Ok, dis-nous. Salut Berthe. Ok, LSSD, deuxième sommation. Si vous êtes derrière, attention, on va rentrer. Faites pas les imbéciles. On va rentrer dans l'arrière-boutique. Mettez les mains en évidence. Ok. Ok, reste. Ok. Du coup, Berthe, est-ce qu'il... Ça va, ils t'ont pas fait de mal? T'es sûr? Bon, ok, porte-toi bien. Ça bon, tant pis. Bon, il y a RS, il y a rien de laissé. Tu viendras au commissariat. Ouais. J'ai dit 10-56 sur le call. Non, vous avez dit supérette. Ah! Ouais, c'est juste histoire de vous casser les couilles que je vous dis. Ok. À la base. Par contre, Mandoni, quand on fait le check, fais gaffe, faut que tu restes derrière moi. Ouais, je suis resté derrière toi, poulet. J'ai attendu que tu rentres, en fait. T'es rentré, je suis rentré derrière. J'étais couvert. Oui, non, mais faut vraiment que tu me suives, qu'on check à deux. Genre, pas oui, pas de souci. Mais ouais, quoi, je dis check 40. Check supérette. Yo, QWERTY! Bienvenue chez les TLG. Tish! Perkins? Oui, dis-moi. Je dis check discount ou check super. Yo, bienvenue chez les TLG. Moi, je voulais vous dire cotise sur 10-40. Mais c'est juste pour casser les couilles, super c'est bon en soi. Ok. Non, c'est juste pour trouver un petit bémol. Sinon, c'est pas drôle. Bah ouais. Tango 364, c'est un code 4 sur le 10-40. Est-ce que vous avez besoin de renfort sur le 10-56? Occupé une fois. Écoutez radio. Négatif, LG. Yo, Alonso. Ça va ou quoi? Occupé une fois, donc négatif. Bah ouais. Non, mais admettons. Il se peut, même si occupé une fois, qu'ils aient besoin. Il peut être le véhicule, peut être rejoint. Là, ouais. Mais là, du coup, il l'annonce radio. Hein. Mais oui, c'est une possibilité. Tout à fait. Ça va, tranquille, la baisse. Non, mais c'est incroyable quand même, bordel de merde. Un couple devant. Incroyable. Wouh. What the fuck. Mais là, vous laissez pas faire. C'est ça, je me laisse pas faire. Allez, force et honneur. Plus 31, ça je vous prends ça. Mais c'est lui. C'est lui ça. Celui qui est passé. Ouais, mais trop tard, de toute façon. Oui. Il y a peu de chances qu'on l'ait. Bah, Zombie Chopper direct. Mais respect, police de proximité, bon, LSSD, comment allez-vous? Ah, vous êtes trois LSSD ici? Ah, on est là surtout pour voir si tout se passe bien, etc. Venir prendre des nouvelles. Mais tout va bien, écoutez. Vous avez abîmé votre voiture, je suis pas content. C'est vrai? Je suis pas content, monsieur. Oh. Oui, comment ça? Abîmé.
Elle est abîmée. Ah, ah ben là oui, vous venez de la péter la vitre là, monsieur, je vous ai vu. Eh comment ça? Eh, mais ça se passe comment ici en fait? En fait, on arrive avec des véhicules neufs et il y a la petite phrase et le petit coup de marteau. Oui, exactement, monsieur. Mais merde. Allez, sortez le marteau à bomber le verre, de suite. C'est favoriser la clientèle, monsieur. Favoriser la clientèle. Ah oui, non, mais je vois ça. Elle est bonne, l'huile. Je vois que vous la goûtez. Faites voir. Hop. Ah ouais, un peu acide. On dépense peut-être à la. Ouais. C'est ça l'avantage, c'est qu'il regarde, il est autonome. Il crée l'offre et la demande. Il casse les voitures et mais, il répare. Mais carrément, c'est le meilleur marketeur de la région, là. Ouh. D'ailleurs, j'ai revu votre collègue. Hop, elle est là aujourd'hui. Ah ben ouais, ben elle devait prendre son service peut-être plus tard, ouais. Ok. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on coupe les freins du coup, monsieur? Bien sûr, comme ça vous venez me récupérer dans 500 mètres, c'est ça? Exactement. Au bout de la rue, dans un arbre. Parfait. Ouais. Vous m'avez dit oui, hein. Du coup là c'est ce que je fais. Hein, du coup. Ah ben j'adore le concept, hein. C'est énorme. Je rigole, c'est de l'humour, je vous range ça. J'arrive de suite, monsieur l'agent. Bon, ok. J'arrive de suite. Veuillez répondre à votre TPH, s'il vous plaît. Ah, capté. Ouh, t'as entendu d'un. Veuillez répondre à votre TPH, s'il vous plaît. Là, ça sentait le tacle à la gorge. Ish. Non. Sur Paletto, ça. Ah, ça, c'est pour nous. Ok, on y va. Je vous remercie énormément. Il y a une. Merci énormément. Au revoir, monsieur. Au plaisir de recasser une vitre. Qu'est-ce que... De 15, il y a une unité disponible pour venir me chercher PDP. Me ramener une fourrière, s'il vous plaît. Vous allez où là, les gars? Vas-y, en code 2. 1060 sur Paletto, on va aller. J'entends rien avec la... Les 1060 sur Paletto, on va y aller. Ok, ouais. Tango 364, on se rend sur les 1060 de Paletto. Madame 01, on code 4 sur le dernier 1060. S'il y en a énormément, quand on arrive, code 5 sur zone. On va trouver une zone pour vous planquer en Dolini. Enfin, votre copilote, du coup, trouvera une zone. Ouais. C'est au niveau de la banque, donc vous restez sur la GOH. Je vais vous trouver une planque. Vous ok, ok. Avoir accès depuis des toits. Et ensuite, il faudra aller chercher McCall. Je sais pas pourquoi. Je crois que je suis un taxi maintenant. Mais elle est pas en service là, non? Non, attends, elle est où? En plus, elle est secteur LDS, quoi, je vais la fumer. Elle est où? Oh, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Allez, on est parti! Wouhou! À mon avis, ils ont vendu les deux petits trucs qui vont s'arrêter. Généralement, c'est par deux sur Paletto. Sauf si c'est un groupe et du coup là ils vont faire un stock, mais vu qu'ils seront 50 on pourra rien faire. Avoir prise de photo, transmission, le service approprié. Bah s'ils sont beaucoup les gars, que 3, on les fait dégager, c'est tout. C'est ça. Dissuasion et ils vont partir, vous en faites pas. Donc quand on arrive on fait suasion, c'est ça? Oh, voilà, tu cries fort et tu lances une chaussure à la gueule du premier qui passe. Ok. Ouais, il continue. S'il y en a à l'entrée de Paletto et qu'il y en a encore code 5 Ouais. De toute façon, en arrivant, je vais dire directement, vu que là il y en a eu 3. Du coup, dites-moi hein, quand je cesse les codes 2, tout ça, que je dois planquer et compagnie. Hein. Tango 364, on établit un code 5 sur 1060 de Paletto. T'as dit quoi? On établit une 1060 sur les codes 5? Un code 5 sur les 1060. Ah ouais. T'avais les bons et pas de bons. Ouais, ils sont pas loin là, hein, c'est ça? Ouais. Donnez-moi le GPS, Nook. Voilà, merci. Vous allez vous mettre ici. Enlevez votre GPS. Ouais, votre... ouais, merci, donnez-moi. Tenez. Vous allez aller sur cette position GPS. Ouais. Le code, allez-y, on est normalement. Avancez. Coupez vos. Ouais, non, avancez encore. Arrêtez-vous. Ici à droite. Coupez à droite là.
Voilà. Voilà. Bougez pas, descendez du véhicule, les gars. Pas de bruit, pas de bruit. Chut, chut. Allez, par là. Là, là. Je crois qu'on n'a pas le droit, ça. Restez continuellement en mouvement sur toi, d'accord? Ouais. J'ai rien vu sur le parking de la banque. Gauche, ouais. Il est passé à gauche la moto, ouais. Je suis quasiment sûr que ça va checker là-bas. Ouais. À gauche. L185, je me charge une autre. Putain, c'est lunette. La sécurité. Il est sur nous. Chouflu. Oui. Adam 01, ouais, la crème, la voiture. Dernier 1060 à Innocence Boulevard. Oui. Je pense qu'on est crapé. Vous en pensez, on est cramé ou pas? Dame 15, 18. Oui. Fini pipi? T'as fini ton pipi? Ouais, fini pipi. Et encore, j'ai pas trouvé. J'ai un envie de chier, mais c'est un truc de fou. Non, tu fais pas chier. Tu chies pas ici. Ah, bah, je chierai après. Venez, on fait une partie de cache-cache dans la zone. Ouais. Cache-cache. Allez. Vous pensez que. En plus, je suis mauvais au cache-cache, moi. Moi je suis meilleur au Shifumi. On fait la zone là, vous voyez tout le bloc là? Non, on fait Shifumi, voilà. C'est plus facile. Jusque là, jusqu'au truc en pierre. Ouais mais c'est pas facile là, c'est même pas équilibré, ouais, vous êtes plus là. Non. Vous étiez pas 4, il est où votre copain? Non. Bah paix à lui. Bah au pire on fera un binôme chez nous, c'est pas grave. Bah aussi non, on mélange les équipes. Ouais allez vas-y, on mélange les équipes, vas-y. Par contre, on fait un Shifumi d'abord. Vas-y. Bah, après, je sais pas. Qu'est-ce que c'est déjà? Puits, colline, mine, c'est ça? Non, regarde. Si tu joues au pied, si. Ouais. Mi. Oh mon dieu. T'as gagné. Allez, si, vive. Shifumi. La base. Vous avez gagné, messieurs, dames. Bon, coup, fini le pipi. Allez, bisous. Allez, bonne chance. Bonne journée, messieurs. Cache. Et voilà, ben on l'a trouvé, il était pas caché. Ah, c'est une agression, ça je reconnais. Ah oui, bien sûr, tout à fait, vous avez raison. It's time. Eh, c'est pas un parking, ça dit donc. Bah après on peut pas faire pipi sur les parkings quand même. C'était un arrêt pipi. Je vais vous mettre un PV, dis donc. Ah. Vite, barre-toi, on s'en va vite. Attends, je fais crisser les pneus.
Lost Police, ouais. Allez, mes respects. Allez, passez une bonne journée. Bon, ah, on s'est fait griller si fort. Tourner un peu de ouais, j'attends un peu avant le code 4. Par contre, j'étais pas bien. Hein. J'étais pas bien quand je les ai vus arriver tous. Ouais. C'est pour ça que je me suis calé dans le coin. Et c'est pour ça que j'ai. On est pas des voyous. C'est pour ça que j'ai sauté pour sortir en fait le taser pour te contourner. Je dis au cas où ça part mal, tu vois. Non mais si ça, c'est le taser, en fait, il sert à rien, t'as vu donc qui c'était. Faut le dire. Ouais, non mais au pire, au moins ça fait un de moins si ça te permet de cavaler ou quoi que ce soit à toi, tu vois. Mais ouais, mais non, faut savoir. En vrai, je suis revenu à la voiture, j'étais genre de rien. Et bonjour. Tu t'étais remis dans la voiture? Non, mais j'étais à côté, j'ai fait seulement, j'étais quasiment à côté. Mais par contre, souvent les motards ils vendent des 6, ils doivent avoir des clients réguliers ici. On part où, chef? Faut faire un petit tour dans Paléto. On sur Paléto, à l'intérieur. Prenez à droite, c'est pas grave. Ah oui. Tu vas où? Je fais un petit tour. Tu fais quoi? Je vais refaire le tour, mais par en bas. Mais la route, elle te plaît pas? Non, t'inquiète pas, je connais bien ici. On est en Stanie, on n'est pas en scout, hein. Non mais ça va, c'est pas non plus, je suis pas en train de prendre des bosses et tout, quand même. C'est un chemin. Certes. Si les gens les prennent à vélo, on peut les prendre en voiture quand même. Ah ouais, le pont, tu vois, ils font comme ça en vélo, ok, mais en voiture, c'est pas suffisamment solide. Ah, c'est des routes, toi t'as pas connu alors Sandy Shore à ses débuts, quand j'ai grandi là-bas, moi, putain. Niveau 10-60. C'est pour ça qu'il faut tourner dans Paléto, les gars. De toute façon, on est spot, donc ça sert à rien. Donc on se fait voir, on dissuade, et puis on se casse. Ok. Sortez vos téléphones tout de même. Ouais, je l'ai. Je suis là. Je suis déjà dessus. Ok, on va regarder ça. Adam 01 se rend sur le dernier 1060 demain en drive. Et ils ont leur téléphone en main aussi. Soit. Trouvé. Vous êtes mal caché. Incroyable. Ah, ils sont chauds, là ils te tombent tous dessus, c'est pas bien. Un hein. Nouvel appel pour un 1060, tu repasses gauche, en code 2 pour leur mettre un peu de pression. Gauche. Puis vous prenez encore une fois à gauche puis à droite. Où ça, à gauche? Non, à l'intersection. Hein. Ah, pas dans les maisons. Hein. Putain, mais fais peur. Ah, moi je suis, hein. Vous êtes mon supérieur. Vous me dites de prendre, je prends. Hein. Encore gauche là? Gauche et droite. Juste pour vraiment leur dire qu'on est là, si c'est vous qui vendez, bah cassez-vous. Quoi. Je crois qu'en fait ils en ont rien à battre. Ah mais le but c'est clairement de... C'est un 34, c'était où? Par contre... les empêcher de vendre en fait. Oui, par contre sympathique mais pas con non plus. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné je vois qu'ils nous suivent, etc. Dire voilà, il faut qu'ils restent mignons. Ici, c'est pas chez eux quand même. Hein. Non, mais c'est simple. Trouver un endroit là. Vous savez quoi? À l'intersection, tournez à gauche. Ouais. Encore une fois à gauche, encore une fois à gauche, encore une fois à gauche. Et si vous suivez, ben là, on est 38. Mais il n'y a plus personne derrière. Allez, regardez-moi. La chance, ça va passer le piéton. Pas déconner. Dealer de drogue à 39 mètres. Ouais, là, ils se foutent de notre gueule quand même. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas les flags. Prenez à droite. Il faut revenir à plusieurs unités en fait. T'as deux unités. Histoire de bien 15, tourner. On va prendre les derniers 10-60 de Momilton Drive. Hein. Droite. T'es prêt? Ils vont vendre. Hein. Et encore droite ou gauche? Voilà, faites comme vous voulez, tournez dans ce secteur. Putain, ces fils de pute là qui vendent, ça m'énerve. Adam 01, c'est 64. 40 mètres, faut pas déconner, c'est derrière nous. Mais le problème c'est que derrière je peux pas aller prendre la photo. Ouais, je sais. A92, 10, 23, mécano. Tiens-toi prêt. T'es prêt? Je suis prêt. Ouais, passez en face, vous avez raison, Bolligny. Check. Oh, vrai qu'on est assez loin, hein. Puisqu'il arrive à avoir un flag d'ici. Je rallume, dès qu'on part.
Allez, c'est parti. Il me prend pour un con en fait à chaque fois qu'on passe. Ok. Ok, 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 ok. Ok, j'ai compris. Ok, ok. Il faudrait qu'il y en ait un qui descende, d'accord? Ils vont nous voir directement, ils savent qu'on est trois. Non, 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 t'inquiète pas. C'est pas con ça, Andolini. Un qui descend et je repasse. Perkin, j'ai compris. Maintenant. Maintenant. Mais putain, ouais, super, super. 10-23, de toute façon, on va faire un 10-19 pour vous récup. Hein. On va faire deux Adam. Planque-toi ouais, à côté. Ouais, ouais, mais je sais. Monte. Chez les gens non plus, j'ai pas entré chez les gens. Monte. On est crabé. Yes. Non, parce par contre, là, lui a tourné. On saute pas les temps en fait. Et tout seul, c'est compliqué. Il faudrait qu'on soit. Sors ton appareil photo. Regarde, en fait, il nous tourne autour. Ok, ok, on va faire ça. Pas de soucis. Maintenant. On va aller chercher ma call après les gars, on va se split en deux Adam et on va venir sur Paléto. Hein. Vas-y prends ton lunch, flunch, c'est bon? Ok, ok. Par contre il me suit encore une fois lui, je l'arrête. Hein. On va arrêter les conneries quand même là. Deux motos, par contre ils sont chauds. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur. On peut rien faire, on est trois, même si on veut faire quelque chose et tout ça. Non mais justement. 9 office, on va chercher ouais. Ma call, on va venir à 2 unités. Tu coûtes 4 pour l'instant. Synchro sur les... Ça sera trop tard, hein. Ouais mais là, compliqué, compliqué. Tango 364, code 4 sur les 1062 Paléto, 19 Mission Road. C'est dommage ça. En fait, vraiment, hein, la seule astuce qu'il y avait c'était de te lâcher, enfin d'en lâcher un. Ouais mais on va l'intégrer directement. Et puis je suis pas sûr de rentrer chez les gens, tu vois. Yes, à savoir que si vous prenez un flag sur une propriété privée, l'avocat peut vous péter les couilles. Hein. Bah là où on était là tout à l'heure sur le toit, c'était une propriété privée, non? Si, c'était chaud, non? Ouais, mais on peut jouer sur le fait qu'on ait les munitions et la munition nous appartient. Donc, d'accord. Depuis où on prend la photo, l'avocat peut pas vraiment savoir si c'est le toit de, enfin si c'est un toit de la propriété des munitions ou un bâtiment d'un civil. Vous voyez? Ok, ok. C'est pour ça qu'il faut. Vous allez forcément zoomer pour prendre le flag et il va pas vraiment voir l'avocat si c'est. Enfin, faut jouer là-dessus quoi. Si non, mais là, franchement, ils se sont foutus de notre gueule. Mais de ouf, 67 mètres quand on passe. Trop 40, il y en a eu un. Ouais. On y retourne en cycle. Non, mais tu sais ce qui m'énerve entre ça et hier, c'est le foutage de gueule en fait des gens. Comme hier, la course-poursuite, le mec dit oh, vous êtes pas bon et tout. Tire aussi, il avait un peu mal à la tête. Hein et ouais, vous êtes pas bon, hein, le ciel là. Mais j'ai envie de dire attends, mais le Contara, c'est que tu parles quand même à un agent assermenté. T'as envie de te prendre une douille dans la bouche ou ça se passe comment? C'est incroyable. Moi, ça en soi, ça. Tu le rafales. C'est ça. Goûter, les gens qui veulent juste narguer comme ça, en soi, ça, je m'en fous, ça me fait rien. Moi, non, mais les ça. Les gens, ils sont là, moi, vous êtes nuls en conduite, mais ils prennent des chemins inaccessibles avec nos voitures. Non, mais surtout, et c'est ce qu'on disait hier, on m'a dit n'importe pas cas et tout, sinon tu n'y arriveras jamais. Mais j'ai dit à un moment donné, c'est pas que j'y arriverai jamais. Mais je veux dire, à un moment donné, quand le mec, il voit pas le conteneur alors que moi, je le vois s'éclater dans le conteneur, c'est pas très legit. Ils prennent les grillages alors qu'il y en a pas. C'est pas très legit, voilà, c'est tout. Les poubelles, les piquets, tout ça. Parce que clairement, je m'en fous dans la finalité, clairement. Mais à un moment donné, quand même, si on n'est pas sur un pied d'équité, d'égalité, je veux dire, c'est dommage pour le fun. Bah ouais. Je suis à la limite de faire comme eux, hein. Pour les courses poursuites, parce que mais bon, je joue bien. Pas prendre la tête, les gars. Ah putain, moi vraiment non, pas. Mais... Moi vraiment ça, pas. Ça, à la limite, je m'en fous parce que j'arrive à les tenir, même si eux ils ont des trucs bizarres. Et justement, frontez-vous la poire sur leur gueule, c'est tout. Oui, mais en fait, mais moi ça, je m'en fous. Moi, ce qui me fait chier, c'est par exemple les gens qui prennent des voitures fines, comme il y a. Ah putain, toujours la même, et passer dans les petits chemins. Ah, voilà, exactement, les petits chemins inaccessibles. Pour des trucs à la con en plus, c'est même pas genre c'est un truc important, genre il a tué quelqu'un, il faut qu'il se sauve. C'est, je sais pas, il a mis un coup de tournevis dans une voiture et il prend des chemins comme ça pour nous semer. Ouais, ou moi je me dis quand même, tu vois, le mec qui part comme ça en course poursuite quand il se prend un gros truc. Moi j'ai un mec, il était à l'arrêt, il a pris le téléphone, etc. Je croyais qu'il était, il appelait les médics, tu vois, tellement il était mal, la chute, enfin, comme il a tapé.
Gros, il est reparti de suite. Là, je me dis, c'est franchement dommage. Ouais, bah voilà. Voilà, mais même pas pour l'arrêter, hein. Même pas pour l'arrêter, même pour dire, ben en fait, il y a air, quoi. Il y a rien de logique, voilà. Mm-hmm. Mais après, voilà, c'est tout, c'est des réflexions, on découvre. Je suis d'accord. Bah, c'est comme je te dis, la brigade d'hier, elle a fait deux beaux 10-50, mais à chaque fois, ouais. Elle repartait. Mais elle repartait quand une de nos personnes descendait de nos voitures. D'accord. Pas avant, parce qu'avant, ça faisait mal. Ah. Aïe. Là, ça va mieux. Non, après, je veux pas balancer, mais il y a plus de 10-60 sur Paletto. Hein. Bah ouais, oui, notre boulot est fait. Bravo. On vous a bien écouté, on a appliqué. Force et honneur. Casser les couilles. Ouais, ou alors soit ils ont plus de stock. Ouais, aussi. C'est aussi ça. Parce qu'ils ont. Il y a beaucoup de ventes. Hein. Le QG, c'était des Lost, hein. Il est où? Oh, il y en a plusieurs, je pense, historiquement. Moi, j'ai grandi ici. Ouais, mais t'en as un sur Sandy. Ouais. Le coin, au bar. Stop City, je crois, des Lost. Ah, ok. Putain, la sortie. C'est quoi ça? Ouais, il y a des billets. Scoot. Buffalo, cette année. Bon, descendez les gars. Ouais. McCall. Mais pas là. Non. Je crois qu'il y a une trust aussi. Mais moi j'ai vu quelqu'un rentrer. T'es d'accord avec moi? Ouais, moi aussi. J'ai vu la portière s'ouvrir sur mes. Vous êtes caché, oh! Eh oh! Eh oh! Coucou l'André! Ça va ou quoi? Tiens, on a entendu une portière encore, on est d'accord. Ouais, je crois que c'est un Lost qui s'est caché dans la voiture. Et je vois. Je jure. Mais. C'est... pas loin là. Ah, sur Paletto, ils ont vraiment déconné quand même. C'était abusé. Ça va? Putain, qui lamente. Ça fait deux jours que je dois éternuer, mais ça veut pas venir. À chaque fois, ça me gratte le nez. C'est horrible. Ouais. Là, t'en bouges pas. Ouais. T'as mis ton doigt où avant? Dans le nez. Voilà. Ah ouais, bah dans le nez aussi du coup. Plus c'est plus, ça fait moins. Ah, on est d'accord, il y a quelqu'un derrière, regarde. Plus, ça fait plus. Plus, moins, divisé là par, ouais. Ça dépend. Quoi? Mais non. Bah, la théorie de Caleb. C'est ça? Tu t'es arrêté où dans les études? CE2. Au début? Oh, je dirais vacances de Pâques. Ah, ok. Mais quelle année? Ça date. Enfin, qu'il y avait trois chiffres. Il y avait trois chiffres. Eh, mes respects. Oui. Ah bah, t'es là. Mes respects. Je suis là. Mes respects, Andolini. La seule chose que j'ai à lui faire, c'est vérifier les acquis que je lui ai appris. Donc c'est comme tu veux, si tu veux rester avec Nook pour continuer ta format avec lui et que je prenne Andolini. Comme vous voulez, moi je suis à votre disposition. Moi, j'ai tout fait valider, il a tous ses acquis, Nook. Moi je vais tout faire. Qu'est-ce qui me manque à moi encore? J'ai l'impression de faire. Vous n'avez pas fait de dossier d'arrestation, vous, Andolini? Mais comment ça? J'ai fait majeur, mineur, j'en ai fait. Vous avez fait? Bien sûr. Ah ouais, mais avec carte ouest, ok. Ah ouais, Mijeur aussi. Ah ouais. Je reviens, je vais juste terminer de ranger parce que le problème, ouais, c'est que mes scouts sont sur le parking et donc. Moi je vais rapidement aux toilettes. Vous avez des soucis avec les ins en vous, c'est grave. Avec les Kings? Parking, Perkin. Ah bah ouais, c'est ça, c'est la base. Ah là. Alors qu'est-ce qui manque un peu? Je suis en train de lire. Servir le café, souiller un agent. J'avais nettoyé le. Les chiottes, oui, avec la moustache. Ouais, ça récure. Lécher les bottes, c'est fait trois fois. Ouais. Vous avez léché les bottes du King? De tout le monde? Aïe. Vous allez avoir une maladie là alors. Mais non, ça sent des chars. C'est la merde qui se nettoie pas les bottines. Ouais. Ah. Passe pas le cire. Hein. C'est sûr. Manque des choses de ouf, non? Non, en vrai, vraiment, hein. De ce que je vois, ça va peut-être encore. Vous vous sentez comment à la radio? Ah, nickel, franchement, ça va la radio maintenant. Ouais. T'es 364,
On est là, 10-23 de stand-by là. C'est qui votre booster? Ben, Costa, mais je l'ai jamais vu. Je l'ai vu une fois en début de semaine et j'ai jamais parlé avec lui en fait à la fin. Donc j'aimerais bien au moins tourner une fois avec lui aussi. Enfin, pour qu'il m'explique un peu ce qui lui attend ou quoi, je sais pas. Je me suis dit, tiens, j'ai de la chance, c'est un gradé, peut-être qu'il va m'apprendre des choses que je connais pas, etc. Et au final, ben, j'ai vu personne. Gros, pourquoi vous mettez de la bouffe dans les coffres TD? Pourquoi vous mettez 100 balles dans le coffre TD? Je comprends pas. Dans les Buffalo, moi, je il y avait pas 150 stocks, balles là. C'est pas moi, je vais c'est vous pas tuer. Moi. C'est pas moi. Alors, il me manque quoi? Bah, attendez, là, le bilan de la semaine passée, c'était. Ouais. On va voir s'il me balise un peu le hold up. Majeur, routier, recensement, radio. Je l'ai fait. En plus, le routier, je l'ai fait 8 fois. Mais ça, c'est le bilan de la semaine passée. Hein. Le bilan du 10 du 1. Vous avez fait des choses entre temps. Ah voilà, ouais. Non, il faut mettre les trucs en quoi c'est fait, parce que sinon j'avancerai jamais là. Et en plus, mon quand j'ai fait un costage, je le vois pas. Si y a personne qui s'occupe en fait de remplir mes trucs, c'est pas ouf quoi. On contrôle routier, c'est madame Zéro, on a actuellement 800 mètres du dernier 1040. J'en ai fait quelques-uns des 1038, hein. Ouais, ouais. Ouais. Notamment encore hier, par exemple. Ouais. Hier, on fait un 10-38, je tombe sur une personne qui avait deux amendes. Voilà. Ouais. J'ai eu le nez en plus. Non, ça va. J'ai eu le nez pour un camion rempli de cocaïne. Enfin, ça va. Non, ça va. Course poursuite avec 6 speedos remplis de coke aussi. Ça va. Incroyable. C'est cool. Ça va, vous êtes bien. Ah. C'est qui ça? Sarah Connor. Vous avez pris Angolini, c'est ça? Je sais pas là, j'ai pas encore fait. Ah moi comme vous voulez, moi. Ah mais moi c'est comme vous. Allez, prenez chacun un bout de moi. Chacun un bout de moi, c'est parti. Oh, allez, tirez sur les bras. Alors du coup, je sais pas avec qui je tourne. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-la. Ah ah. Oh et oh et. Tourne avec qui moi? Je tourne avec qui? Et du coup? Vous allez aller avec McCall, vous avez déjà patrouillé avec ou pas? Une fois. Ouais, bah Enoch, combien de fois? Une aussi. Voilà, putain, casser les couilles. Bon, allez, j'y vais. Allez avec McCall. Bah, j'allais dire que j'allais avec elle du coup, mais ok. Voilà, c'est parti. Ah, mais attendez, c'est vous qui allez conduire, hein? Ouais, ok. Je suis juste en train de remplir mon truc, mais du coup, vous préférez Stanny ou Scoot? Ah, Stanny, je kiffe. Ouais, hop, j'ai ça. Ouais, ok. Hop là. Ah voilà, Stanny, je kiffe par rapport au scout. Voilà. Les gars. Ah ouais, la moto elle est chaude. Hein. La moto elle a l'air chaude. Ça me plairait pas mal. Voilà. Artisan de la qualité. Ça me dégoûte là, non, c'est la canine qui doit voir ça, pas nous. Par contre, j'ai toujours pas. Mais ça tombe pas, par contre, on va galérer. Hein. Ah, oui. Elle pue, regardez là. On n'est pas dans le dispatch, non? Non, je vais m'en occuper, attends. Oh, ok. Ton matricule 381. Diga là. Oh, ouais, oh, ouais. La base. Putain, par contre, les motos, c'est quoi les motos? C'est la TD? Oui, mais c'est de la merde. C'est vrai? Moi j'aime bien. Ich. Allez, eh ben c'est parti alors. Wouh! Hop. Je lui ai demandé s'il veut que je prenne l'opérateur. La lead operator. Yes! Oui, Perkins! Mais vous l'aviez pas fait, je pensais que vous étiez occupé. Vous voulez que je prenne l'opérateur ou pas? 1 km, il marque 10 km. Quoi? Ok. Incroyable, 10 km. 92, on est à 1,5 km des 60 000 rebrailles. C'est incroyable. Ah, c'est la nouvelle. C'est un nouveau slogan. C'est un enfoiré. Juste parce que j'ai tout ça sur dispatch, il m'a interdit l'opérateur. C'est vrai? Ouais.
Bon, allez, on est bouillant, hein. Là, les Lost, ils nous ont bien fait chier là au nord. Ils vendaient à 40 mètres de nous. C'est énorme. À chaque fois. Vous avez pas réussi à choper un flag. Ben, j'étais au volant. Chaque fois que le collègue il voulait prendre la photo, en fait, il se mettait derrière les enfoirés. Ils attendaient qu'on passe. Mais bon, ils étaient quand même 6 ou 7, il me semble. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est vous arrêter dans un coin et y aller à pied. Ben, c'est ce qu'on a voulu faire. Ils sont tous arrivés sur nous. Ouais, obligé de faire une simulation de pipi, la goutte dans le caleçon, vous connaissez quoi. Eh non, après ça j'ai... La base. Ah vous m'épuisez Andolini, mes respects, mes respects. Ah, mes respects. Bon alors, on va aller regarder un petit peu votre... Ah ouais, parce que je sais pas, il y en a qui me disent qu'il manque des trucs alors que j'ai fait... On m'a dit que 10-38, j'en ai pas fait, j'en ai fait 15. Et encore, t'as fait 15. Au moins, au moins 15. Incroyable, à la base, à la base. Fait contrôle bon routier en global, acquis mais à vérifier à nouveau. Là, pas vu. Contrôle routier, pas vu. Comment ça? Pas vu. Mais hier encore, j'étais sur un contrôle routier. Pas vu. Contrôle routier, une petite erreur sur le premier, mais il s'est rattrapé avec le second. Et enfin, un contrôle parfait. Ok. Contrôle routier à travailler procédure dans le mauvais ordre, ok. Nah, c'est des chiens contrôle de la casse. Routier. Ah non, non, c'est contrôle pas beau. Pas vu. Contrôle routier à travailler le bout à de mauvais ordre. Yo Diego. Agit. La procédure dans le mauvais ordre. Attention MDT sur le téléphone, il faut prendre l'habitude d'utiliser. Alors ça, véhicule. Ça, je suis obligé de me garer. Ça c'est chien. Ça c'est chien parce qu'il y en a un, il m'a dit. Pas la peine, oh, te fais pas chier à monter dans la voiture. J'ai dit, écoutez, moi, on m'a dit de monter dans la voiture. Donc, je montais dans la voiture. C'est obligatoire. Ne fais pas chier, etc. Sache-le, c'est obligatoire. Et l'autre fois, je sors le téléphone. Voilà, ouais, ouais, non, non, mais je... le prochain qui me dit que c'est pas obligatoire, je lui mets, quel que soit le grade, mais un pied-bouche, mais d'entrée, hein, pour... juste non, pour non, lui dire, non, ah ouais. Respect de la hiérarchie Andolini. Ah, mais avec un pied-bouche avec respect. Entre le routier pas vu. Après, ça, j'en ai. Changeant, par moment il est excellent et par moment il a l'air un peu perdu. Ah oui. Putain mais sans déconner. Ne me lisez plus les trucs comme ça s'il vous plaît. Je vais fracturer. Non, pas je vais vu, fracturer. Pas vu. Non, 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 mais parce que... Ah ok. Ouais. Routier, ok. Non, parce que moi aussi je peux dire j'ai tourné avec des mecs qui en fait... Il... La capacité d'observation d'Andolini, il voit énormément de choses mais surtout une grande qualité d'anticipation. La base. Prend du recul sur toutes les interventions et essaye d'avoir un regard du point de vue adverse. Boot très agréable avec qui la discussion est facile. Cela permet d'instaurer une bonne ambiance et un climat de confiance. Ça te va des trucs comme ça? Non, non, mais là je commence à... Là j'ai les tétons qui pointent, j'en peux plus. Continuez. Ça c'est énorme, quand j'entends des choses comme ça. Andolini a pendant la patrouille pu prendre la radio, il a su faire des calls propres. Ensuite il a pris le volant. Bonne conduite dans l'ensemble, attention toutefois à pas coller les véhicules en cas d'accident, risque de PO. Bon je lis pas la suite parce que c'est pas forcément super. Si c'est sur l'intervention où l'autre il s'est fait mitrailler, le collègue, à un moment donné je me mets en travers, j'anticipe, les personnes descendent du véhicule, cavalent à pied. Il me lâche alors que je suis boot. Moi j'essaie de suivre. Le temps que je me tourne, il était parti dans une ruelle. Moi j'ai suivi un, j'ai arrêté un, lui s'est fait tirer dessus. Voilà, fin de l'histoire. Ah non, mais je vous jure, si je raconte à ma sauce, c'est énorme. Hein. Et il y en a un, j'ai patrouillé 2 heures avec lui, il m'a pas parlé un mot. Il a décroché au téléphone et d'un coup, il a retrouvé la parole. Wouh! C'est qui? Je sais pas, je sais même plus c'est quoi sa matricule, mais plus jamais. Et j'ai tourné avec un boot, ça a failli partir en couille. Hein. Pareil, je dirais pas son matricule, mais il parlait pas, mais il était plein. Non, 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 il faut que tu me dises les noms. Ah non, mais il était plein d'onomatopées, de ci, de là. Non, mais je suis pas là pour cracher sur des gens, juste que je me suis pas entendu. Donc, Non, mais justement, nous on a besoin de savoir pour savoir avec qui ne pas vous dispatch. Ben, je retesterai. Je reste pas fermé. Moi il faut, non, il faut réessayer dans la vie. Andolini. Moi. Crache le morceau. Peu. Crache le morceau, mon Allez, crache le morceau, mauvais rapport. Je me rappelle plus, en plus j'ai une mémoire. Par contre, c'est la mémoire de Dory. Ah ouais. Mm-mm. Ça, c'est se rappeler que ça s'était pas entendu, mais ça se souvient pas du petit vrai nom. C'est ça. Are you sure, Andolini? Ah, sure, c'est le cerveau sélectif. Are you
Angelini. Ah, Sandy Sure. Sugar Angelini. Ah, si ça parle de sucre, là c'est mort. Wouh, je fonds. Allez. Je garde bébé là. Crachez le morceau. Crachez le morceau. Je me rappelle plus, on parlait de quoi. Angelini, je vais vous chatouiller, attention. Ah non, surtout pas. Attention. Non. Un. Non. Deux. Non. Non. Crachez le morceau, Andolini. Non, je sais plus, il avait des lunettes. Il avait des cheveux. Ah, donc c'est pas Rogers alors. Ah non, Rogers il est sympa, non. Ah, moi je supporte pas. Ah, bah moi il a pas été désagréable, donc pas de soucis. Donc c'est pas Rogers, c'est pas Stone. Non, c'est Matt DePau. Et il parle pas du tout. Burnett ? Je sais pas. Non, pas Marcus Burnett, non. Matt DePau ? Ouais, je crois. Tête fine, un peu. Comment on pourrait le comparer à quoi ? À une ovule. Un ovule, pardon. Un ou. Quoi ? Oh, je sais pas, après, vous savez, j'ai pas fait Sciences Po, moi. Pour la science, hein. Ça. Non, mais il y a deux jours. Il y a deux jours, si vous voyez les tournées que j'ai faites. Parker, il est blanc. Aaron, il est tout blanc. Rogers, tu m'as dit que c'était pas lui. De toute façon, il est chaud. Il y a deux jours, à peu près. Il y a deux jours. Hier ou avant-hier. Dans ton rapport. Ouais, c'est ça. Perkins, tu viens de l'avoir. Non. C'est pas lui. Lui, c'est. Taker, il a les cheveux blancs. Taker ? Taker, ouais. De 22h à 1h du matin, t'as patrouillé avec aujourd'hui. Non, nickel. Avant ça. Hier à 1h57 du matin avec Porter. Ah, peut-être c'est lui. C'est un blond. Non. Ah, mais c'est un black. Ah, c'est Kurt White qui est un peu mat. Le 10, il y a 4 jours. Possible, il parle pas beaucoup. Mais Kurt White, il est blanc, hein, il a une crête. Non, un black. Un black. 16 à 87, code 4 sur le dernier 1062 magasin. Petit avertissement, Jimmy, vite fait. C'est pas possible. Stanford Adam 01. Stanford, c'est qui? Dernier 1060 à Sandwiches Boulevard. C'est celui qui m'appelle Bébou tout le temps. Je pense pas. Il a. Soit il porte un bonnet. Il est mat non. De peau. Il y en a un qui tourne pas beaucoup, c'est la première fois que je le voyais d'ailleurs et il était pas très agréable. Après ça arrive hein. En fait il a pas été désobligeant, il a rien été du tout. Il a pas parlé donc du coup c'était chiant. Et tellement j'ai pris ma fin de service. C'était un après-midi. Aussi. En après-midi. Ah non, je crois pas. Ça peut pas être une forme parce que t'as patrouillé avec lui à plus de 21h. Non, l'après-midi le boot avec qui ça a pas collé c'est X. Vraiment non, pas. En même temps, même moi ça colle pas avec. Il est dans son monde et. Mais après, c'est peut-être mon caractère qui fait que. Hein, on n'est pas là pour débiner les gens, bien au contraire. 19h, 2h du matin, 21h. T'as aucune patrouille l'après-midi hein, dans tes rapports. Comment ça Y'a que Perkins. Et Perkins, il est un peu mat. Non. C'était un soir alors. C'était un soir en fin de soirée. Je crois il y a deux jours en deuxième partie de soirée, si je dis pas de conneries. Cooper ? Non. Ah, ça peut être Cooper, mais c'était le 6. C'était déjà il y a 6 ou 7 jours. Non. C'est il y a 2 jours. Il y a 2 jours max. 48 heures. 48 heures, ça fait maximum le 12. Ouais. Allez, je commence. Baker, il est tout blanc. Comme non. Voilà. Mort. Porter, il est blond. Mort. Kurt White, il est blanc. Je sais pas, oh. Il a répondu au téléphone. Il était tout mignon. Et moi, il m'a pas décroché un mot. Mais je dis pas de conneries, 1h30 hein, de service. Hein. Je sais pas qui c'est. On rappelle plus. 10 Non. J'ai des matricules au hasard. La complémentaire, le 12. Les seuls blacks qu'on a au SSD, c'est Cooper. Mm-hmm. C'est Stanford. Ah, peut-être qu'il était pas black, il était peut-être bronzé. Ouais. Ah, mais c'est possible que ce soit Stanford. Il a une voix plutôt claire, il a pas de voix grave. Bah, je sais pas, je l'ai pas entendu sa voix. Hein. À part faire le mielleux au téléphone 2 secondes. Il y
y a deux jours, putain, mais moi il y a deux jours j'étais pas là. Mais bon, après c'est vite. Non, vous étiez pas là. Après c'est vite oublié, hein, parce que pour le coup, voilà, je sais quand il est là, ça me demande un dispatch. Il est blanc comme un cul. Non, Filsberg, non. Et il était cool. Je ne sais pas alors. Ah bah vous voyez, je mens pas quand j'ai dit je sais pas. Voilà. Bah ça peut être Bennett, mais c'est Bennett, c'est un lieutenant. Hein. Non. Non, c'était pas un lieutenant. Hein. Eh ben bah, les taxis, ça tourne là. Eh ben bah, piche. Piche ma piche lorsque tu souris. Lorsque tu soulignes. Ah ouais, merde. Parce que si tu souliches, crée un Henri Jolicier, tu souliches pas grand chose. Ah ouais, c'est pas faux. Yosin, yeah. Bienvenue chez les TLG. Tiche. Vous savez ce qu'on dit sur Sandy Shore? Bah dites-moi. Après, vous vous excusez mon parler, Sandy Shore, hein. Sandy Shore. Bah ouais, il pleut, il mouille et on s'en bat les couilles. Ah ! Pardon. Ça sort des fois comme ça. Il pleut, il mouille et on s'en bat les couilles. Ouais. On s'en bat les couilles de quoi ? Qui pleut ? Ouais, c'est ça, c'est des petites expressions pour combattre la pluie. Et normalement quand on le répète 7 fois, c'est comme Candyman, merde, je l'ai dit une fois de trop, il va paraître. Ah ! Incroyable. T'inquiète. Vous connaissez Candyman ? De quoi ? Candyman, vous connaissez ? Pas celui Candyman. Qui est... Pas les bonbons Candy, hein ? Ni la petite princesse des collines, là, hein ? Candyman, c'est celui que, quand vous répétez plusieurs fois, il apparaît dans le miroir et il a des abeilles qui sortent de la bouche. Non, je connais pas, non. Ah ouais, la base. Après, ces générations, peut-être... ouais. Film de peur d'avant. Avant... L'an qui vient. En train de réfléchir, je vois pas. C'est vrai ? Candy. Ouais. Après, il y avait une petite chanson sur un dessin animé aussi qui était pas mal. Ok, on prend. À 3,25 à 1 km du dernier 10-60 de Capital Boulevard. CZM 15-18. Dites-moi une petite position par rapport à la place là. Regardez. Hold up. Tu fais vieux le gros, c'est ça Kaiser. N'allez pas tout droit. Alors, si allez tout droit. Allez ouais, tout je droit. Prends à gauche. Hein Ouais. Putain, on peut prendre. On peut prendre le parking. On essaye. Ouais, mais c'est sur la lignée juste en face de vous, ils peuvent vous voir arriver. Donc, soit là vous tournez tout de suite à droite. Ouais, bah alors, ouais. Prenez à droite là. Ouais. Et sur le parking, ça peut être pas mal, hein. On teste, on tente. Ah, non, ils sont passés en fait, en gros, regardez votre GPS. Ouais, je le vois, il est droite-gauche. Ouais, droite-gauche, ça va être chaud. On peut, ou alors, garez-vous sur le côté droit, là, on va y aller à pied. On va aller les choper directement à pied. Ok, je ferme. Fermé ? T'es fait. Un peu d'amour, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Putain, ils vont sur le pont, on verra jamais rien. Ok, il est au fond du pont à droite. D'accord, il va s'abaisser, j'ai le poteau devant. Il est en train de repartir, il back. Je l'ai plus, je l'ai. Putain, je l'ai plus. Elle est partie où ? Putain, c'était pas mal le parking. Le parking, c'était la meilleure des pauses, le parking. Ah putain, le parking ! Le parking, c'était vraiment la meilleure des pauses. Hein. Vraiment, hein. On avait la hauteur. Oui, hein. Nous pré-shot là-bas, ils ont trop l'habitude de vendre ici. Le pont c'est trop c'est vrai. Et là on a même de la chance qu'il pleut, sauf pour lui c'est pas évident de nous voir.
Putain, on est trop bas. Alors, on prend ? Regardez l'angle du truc. Où c'est le parking ? Quel parking ? Ça fait loin, vous croyez ? Ouais. Ouais, je pense qu'en plus il pleut. En plus, ils vendent plus ces bâtards. Les bâtards ! Ah bon ? Tu ne le savais pas ? On est dessus. En fait, le. Les. Ceux de. Wouh ! Chaud ! Putain, en fait, les ventes de Capital Boulevard et de Hamon, c'est exactement les mêmes individus en fait. Ok, ok. On essaye de monter au parking pour voir ? Vas-y. Je pense qu'on est cramé sinon. Tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines. Non. Vois-tu. Ah putain, mais les bâtards quoi. On sera trop bas hein, en Dolimi, hein. On sera trop loin. Regarde où elle est la prochaine vente. Attends. C'est Innocence Boulevard. Hein. Attends, je veux juste checker un truc si ça vous embête pas. Attendez. Hein. Voir juste à la vue qu'on a, au moins je saurai pour les prochaines. Hop, arrêtez-vous. On va aller voir. Il serait juste en face. Oh, en fait, on pourrait voir quelque chose, mais. Attention, hein, reculez un peu, hein, j'ai peur. Hein. J'ai le vertage. Ah, vous avez le vertage ? Eh oui, vu ma position, comme elle était belle. Ils se sont déplacés sur Innocence Boulevard, faut qu'on aille choper sur Innocence. Ok, mais elle était belle la position là. Ça peut être sympa pour le coup, ouais. Mais avoir de. Ça vaut. Un pancake. Après, le problème, c'est que si. S'ils sont tout au bout du pont, on risque de pas les voir. Ils se mettent en début de pont, ouais, ça peut être une belle. Madame 01, il y a quelqu'un sur Innocence Boulevard ? Affirmatif, les 1062. Et là, une astuce ? De quoi ? Je prends à gauche là ? Là, vous prenez à gauche. Ouais. On va check. Putain, le guetteur il était là. On a croisé leur guetteur. Alors, vous continuez tout droit et on va essayer de faire en sorte qu'ils nous voient pas. Ok. Et vous prenez la prochaine à droite. Hop, stoppez-vous là. On va finir à pied. Coupez les phares. Quand vous arrivez sur un 1060, vous coupez les phares. Vous laissez jamais les phares. Ok. Fermez la voiture, vous l'avez fermée ? Non, allez-y. C'est le ok. Oh, j'en ai marre d'avoir mon téléphone. On est parti. On avait deux échelles là. On est cramé là. Chouf. Bah laissez, hein, ils nous ont cramé la... Eh c'est bon, je l'ai eu. C'est bon, on y va.
C'est parti. Sur l'image de son bar, un flag sur un individu avec un chapeau noir à vitrée sombre. Voiture bleue qui part, hein, voiture, ils sont montés des voitures bleues. La voiture qui tourne avec est une voiture bleue. Est-ce qu'il rattrape les individus? De Adam 15, fait au délit 35, on aurait monté 3. Allez, il faut les choper, là. Hold up, les gars, hold up! Hold up. Bouge pas. Ouais. Yo le harasseur, ça va ou quoi? Bienvenue chez les TLG. C'est bon? On est bon? Ouais. Attends, bouge pas. Non, tu restes là, il faut qu'on attende le temps pas terre. Ok. Alors. Si vous voulez faire un point de rassemblement ici sur le dernier 10-35. C'est copie, on répond, on a 2 km. Reçu, on vous attend. 2 km. Ça va gros, tranquille, hein, on est là. Hein. On fait des inters, ish. On va essayer. Hein. Donc, quand tu as des flags de yes. 60, il yes. ne faut jamais se précipiter, d'accord? Là, tu pas vois, de soucis. Vendre. Ouais. On va ouais, les laisser ouais. vendre. Parfait. Mais au moins, ils ne nous voient pas, ils savent pas qu'on est là. L'individu qu'on a, il est comment? Il est bleu. Ah oui, alors attendez. Eh ouais. Je vous mets la photo de l'individu dans photo preuve, hein, avec les véhicules observés sur place. Vous avez vu ce binôme de choc? Je suis le mémo. Ouais, je suis le post-it à partir d'aujourd'hui. Comme la bac à Marseille, la base. Alors attends. Adam 01, 4-4 sur l'année 1060 à Wicked. Je sais pas. La photo. La photo. Photo preuve. Top Inter. Tiens, regarde. Regarde s'il est pas beau ce 1060. Ok, il est tout en noir. Ok. Il a un chapeau noir. Ouais, avec des tattoos hein, sur le bras, on dirait. Je sais pas. Ok, alors. Yes. Vous entendez, messieurs? Yes. On vous entend. L'individu que l'on cherche, visiblement, a l'air d'avoir une chemise noire ou bleu marine, une sorte de bob de plage ou de bob de pêche noire. Okay. Individu noir, faites attention, je crois qu'ils ont des guetteurs avec deux voitures bleu marine, du style un peu muscle ou sportif, de loin je voyais pas trop. Ils continuent de vendre, donc à mon avis, ça sera un vrai. On va vraiment la prendre la main dans le sac. Normalement, il y a deux individus qui tournent en rond auprès des voitures, mais j'en ai vu qu'un, j'en ai qu'un en flag, c'est celui avec le fameux chapeau noir. Ouais, ok, d'accord. Ça marche. On est parti? On est parti. Allez, top inter. Tu mets tes gyros. Tout droit, c'est lui. Monsieur! Arrêtez-vous, monsieur, stop! C'est comme une bombarde, frère. Allez, on est chaud. L'huître, c'est dégueu, c'est pas faux. Exactement. Allez, on est chaud là. Eh, vous avez vu un petit peu ce timing? Putain. Ah putain, mais ça nous mule! On s'arrête! Il est passé dans la voiture ouais, de devant. C'est un insultant classique. C'est la nôtre, c'est ça? C'est celle qui a juste derrière avec nous là. Arrêtez-vous, messieurs, s'il vous plaît! Messieurs, on s'arrête! Alors, essayez de les prendre par la droite. Le problème, c'est qu'on a deux véhicules, il faut absolument qu'on demande une patrouille supplémentaire. Ouais. Putain, bombardeur! Wouah, con! À 325, est-ce qu'une unité pourrait venir en bas?
Il a tapé chaud. Ah, il me lâche, hein. Il me lâche, lui. Hein. Je l'ai perdu, hein. Non, il est tout droit et à droite, putain. Pas trop vite. Je suis lequel, droite ? Tu suis là où il y a notre individu. Ben ouais, mais il est parti à droite, mais alors là, pour savoir où il est... Ouais, ok, prenez un shafter. Impossible de trouver là où il est, le mec, hein. Putain. Il est allé trop vite, sa voiture. Là, on a perdu la Sultan, elle allait beaucoup trop vite. Putain. T'es sûr ? Ouais, bah écoute, fais un 10-35, on va racoler à vous. Trop chaud. Dans ce que je transmets pour mon pilote. Hein. Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit quoi ? Binko Arcadius, je te donne les positions. Ok, mais c'est où Arcadius derrière ? Garage Mayans. Ok, Garage Mayans, ok. Vers l'ouest. Dis-ça encore là ? Non, nous on est encore. Garage Mayans, Sandolini. Ouais, mais je vais tourner à gauche. Pour prendre la hauteur, pour prendre la passerelle. Par contre, ils peuvent pas envoyer des demandes de renfort comme ça, je check. Ok. Yo Toto! Le problème c'est que. Moi j'aurais voulu qu'on récupère la Sultane. Ah ouais, moi aussi, mais bon, le problème là. Si des drogues sur Spanish Avenue. C'est peut-être juste pour savoir occuper combien de fois le nickel 62. Occuper minimum 2 fois. Alors ? Je crois qu'il me semble que la... Je crois qu'elle est occupée 3 fois la... Oh, moi j'aurais dit 2. Merci Audrey. Alors, ici je vais où ? Ok, ça marche. Bah écoutez, si jamais on retrouve la Sultan classique, on vous refait un appel. Merci à vous en tout cas. Putain de merde, comme il allait vite. Ouais, comme il allait vite, c'était ouf, hein. En vrai, quand il est descendu, là, le mec, il est remonté dans sa bagnole, c'était trop, c'était peut-être là, mais bon, après, on peut rien faire. Fais attention quand je suis en train de parler au téléphone. Je t'entendais pas, en fait, je savais pas qui tu parlais. Je savais pas. Mais en fait, c'est normal, j'étais au téléphone avec l'autre patrouille derrière, parce d'accord. Que, en fait, maintenant, on fait plus les calls par radio. Ok. Ça pourrit la radio, c'est marqué dans le guide de la radio, hein. J'espère que tu l'as lu, hein. Ah oui, je l'ai lu, hein. Donc tu dois savoir que maintenant, quand on fait des courses-poursuites, il faut appeler la patrouille qui est avec nous. Tout à fait, mais pour le coup, je savais pas à qui tu parlais, en fait, parce que ça correspondait très bien à mes réponses, à mes questions, en fait. Mais oui, mais c'est bien, il y aurait pas plus de poses de questions sur ce coup-là. Non, en fait, je voulais qu'il fasse des 10-35, mais pour le coup, comment moi je pouvais savoir si, par exemple, toi, tu me relayes pas l'info, ils font pas des 10-35. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est moi qui m'occupe des 10-35. D'accord. C'est toi, t'as juste à conduire, t'as juste à suivre la voiture. Ah ouais, mais avec le même moteur. Je suis quasiment sûr que c'est de la provocation, va derrière. On va aller sur Movie Starway, on va demander s'il y a une patrouille. 325, unité déjà un peu 5 sur Movie Starway. Dire qu'ils ont recollé l'autre voiture. À 325, on a perdu la Sultan classique avec l'individu en flag au niveau de l'Arcadius. Contre là, on est vraiment à côté, je décale un peu, non ? Attends, il est où ? Il est derrière nous, dans le bac. Ok, vas-y, garde-toi là, c'est très bien. Ouais. Par contre, on est trop fort, hein. J'ai chopé un putain de 10-60 derrière. Attends, je crois qu'il est juste en face de nous. Non, mais il y a une unité dessus, hein. Regarde. Il y a une unité. C'est une blague. Bah ouais, allez, viens, on bouge.
Ah, il y avait déjà une unité dessus, c'est ouf. Je vous remercie de vous annoncer quand on demande s'il y a un code 5 sur une zone de répondre affirmatif ou non. On se retrouve à deux unités sur un 10-60, c'est pas normal. Oui, oui. Hold up. Hold up. On a annoncé un code 5 sur une zone de talonique. C'est code 4 sur le 1062, c'est un VAZ. Michel Rowe, ok, on arrive. Michel Rowe, Andolini. Ok. On a une livraison LTD, faut qu'on fasse ça vite, on va retourner vite en patrouille. Ok, ok. Putain, ça a pas le don de m'agacer. Ouais, par contre, la voiture, la deuxième, vous avez dit c'était une Sultan, c'est ça? C'est une Sultan classique, ouais. Ouais, impinable, hein, ligne droite. Sincèrement, c'est... Ouais, non, mais en plus de ça, ils ont... En fait, je t'explique, nous, nos véhicules, ils sont perf. Ils sont pas perf, on va dire, au 100%, 100%, 100%. D'accord. On est perf qu'à un seul niveau de performance. D'accord. Ce qui fait que dans tous les cas, si un véhicule est perf, full. Full, on est dans la merde. On est dans la merde, on n'arrivera jamais à les rattraper. Ok, ok. Malheureusement, c'est comme ça, hein. Il n'y aura pas d'autre choix, mais... Bon, c'est tango et cachette ou tanguette et cache? Ça va? Alors, range mon véhicule, on va éviter de laisser traîner, étage 1. Premier? Ouais, vas-y. Tu veux un rebond? Ah, pas de suite, pas de suite. Il faut que je récupère juste dans le vestiaire, mais dedans, de derrière. Merci. Non, il est bon. Mais respect. Du coup, ça en met où? Bah, on va le ranger dans notre... Tu prends un carton... Je vais même pas réussir en fait. Oh putain, je vais même pas réussir à me servir. Faut que j'aille. Moi j'en prends qu'un. Ouais. Même pareil, ça va être chaud ça. Ouais, je vais vider tout ce que j'ai sur moi. Ça va faire vite. C'est ce qu'il faut de l'autorité, bon sang, la base. 71, ah ouais. 3 Mais respect. Salut Lucas. Trop lourd. Putain, je suis vraiment gros quoi. Vous vous faites des paquets trop lourds? Je suis vraiment gros quoi. Ah, moi je vais en prendre un par un là. Allez, ouais, bah écoute, on fait des allers-retours. Encore trop lourd? C'est quand même, franchement c'est cool, tu vois qu'ils nous filent de la bouffe, etc. Vraiment de ouf. Ah ouais. 69. Là, les huîtres, comme je mangerai pas des huîtres, vous kiffez les huîtres ou pas? Il y a un 30 je crois dans le... Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est à moi ça. Eh ben voilà. Du coup il y a une livraison de combien? Comme d'hab, c'est 500, 500 lus et 400. Ah, moi aussi, je déteste cette matière. Vous allez bien? Et toi? Ça va. Je te jure, on dirait qu'il va me tuer. Et quand il parle, Marcus, c'est... Et toi, Sarah Connor. Il a l'air très sympa. Après, je les connais pas tous, les collègues et tout, donc au fur et à mesure... Citron Pember, mais non, c'est visqueux, on dirait. Vous allez pouvoir nous aider, Bernard, c'est incroyable, merci à vous, hein. Non, je peux pas, là. Vous pouvez jamais, de toute façon. C'est moi... Ah, bouger. Vas-y, je vais voir. Ouais, c'est pas mon kiff, la base, hein, moi non plus, hein. Ouh. Hold up. Bienvenue chez les TLG, gros. Tiche. Tu peux pas suivre des sultans classiques, c'est nul. Bah... Elle nous a tracé. C'est pas nul, c'est que vous êtes mauvaise, McCall. Pep. Non, c'était moi au volant, je suis pas mauvais.
Ah, c'était moi au volant, je suis pas mauvais. Hein. Ah ouais, bah vous non, 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 il allait plus vite. Ah ouais, non, 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 ah, c'est faux. C'est faux, on n'est pas mauvais. Non, je suis désolé. C'est à moi, ça m'a collé. Merci. Du coup, c'est à vous. Bah. Partagez, ouais, parce qu'il partagez. Je peux pas celui-là. Ah, énorme, attends, ils vont trop vite. Ils allaient trop vite. Ich, 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 ich. Allez. Tu vois les tons de la pelouse. Ne faites pas votre mijaurée, ma cousine. Allez, tons de la pelouse, Perkins, vous servez à rien ici. Ah bah c'est ce qu'elle m'a dit ma cousine hier, tends-moi la pelouse. J'ai dit pas de soucis. Quoi? Bah à la base. Avec vous Andolini, vous êtes un cas, c'est grave. Pourquoi? Ah attendez, je vais reprendre à bouffer quand même. On parle de quelle pelouse là Andolini? Ah. Alors. Ta cousine. Vite, bah à la base. En même temps c'est important la famille. Ah oui. 8. Hop. Allez. Il en reste encore? Non. Ah, il m'a chauffé. Il y a plus rien ici. Ah, je peux pas le... ah, quelqu'un a déjà... D'accord. Ah, tu okay. Peux toi? Non, moi non. Mais moi je veux, y a rien. Trop lourd. Ah, d'accord, ok. Pierre, file-moi et reprends. Mais non, je peux pas, en fait. Ah, on peut pas. Bah, force à toi. T'inquiète pas. Putain, on a suivi une sultan, elle nous a tracé en ligne droite, frère, mais laisse tomber. Sultan RS ou sultan? Je sais pas, sultan. Parce que la sultan, normalement, elle est... Non, mais c'était pas une sultan, hein. Le jean sultan, 25, mais je crois que c'était une... Je crois que c'était une voiture un peu plus... Tu sais, type Alfa Romeo, là, à l'ancienne. Vous avez pris en photo? Non. Ah, peut-être la... peut-être... ma colle. Ouais, tu l'as, c'est la deuxième derrière là. Tu as vu, il y a la première bleue. Ah ouais, c'était la Sultan classique. Ouais, mais Sultan classique. Missile, hein. Non, mais c'est pire qu'un missile, frère. C'est quoi ça? Mais les gars, vous avez oublié un truc. Non, 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 c'est pas possible d'essayer de le prendre, vous pouvez pas. Il est trop lourd. Il y a marqué Duntouch. Où ça? Non, mais vous, sinon, c'est pour ça. C'est pour ça en fait, vous l'avez pas. C'est vous, Perkin, vous voulez voir le mal partout, Perkin, oui, vous êtes sacrément ronchon, Perkin, je vous appelle grave ce Perkin. On est reparti, on est chaud. Allez-y, McCall, le travail attend, McCall. Allez. C'est vous, Perkin, si vous commencez à prendre c'est racine, parti. Perkin, ça. Allez, je suis chaud. Ouh. Je ressens Stanier. Ouais, par contre, vu qu'il pleut, je vais mettre une veste, je reviens. Ok. Moi pas besoin. 3.25, Stanier 3.25. Attends. Par contre, il faut pas qu'il soit au milieu, non? Ouais. 3.25, on va prendre la voiture des familles. 3.25. Allez. Stanier 3.25. Putain, mais ils m'ont dit clavier, souris, la conduite. Moi, c'est pas possible, je m'en régale tellement avec la manette, gros. Mais tellement. Manette ou clavier, souris pour vous? Grave, gros. Franchement, ouais. Tu joues toi Extinction Kaiser, parce que demain, on va se faire la journée. Dès qu'il lance, on se fait la journée Extinction. Pêcheur, il fait cap la voix dans les sablades. Pêcheur, PKI, Rolo, Pichoun. Incroyable. Clavier souris, c'est vrai, putain, j'arrive pas moi, clavier souris, hein. Ça me plaît pas. Hein. Enfin, j'arrive pas, mais je trouve, tu sais, pour les dérapages et compagnie, les petits trucs, c'est tellement plus fun à la manette. Vraiment. Et même, tu sais, dans les jauges, et que... c'est différent, c'est différent. Est. Non, ouais. Nord. On va faire des... Oh, allez, oh, 80. Madame 15, on passe rapidement au mécano. Mes respects. La base. Et la base. La vie. Oh, dia. Allez. Qu'elle vienne là. Allez, ma colle. Ma colle. Ma colle. Tis. Ma colle. Tis. Voilà. Bon, j'espère qu'on va avoir un peu de chat là tout à l'heure. Quand même, essayer de choper des mecs parce que pour le coup, tu prends les photos. Ça c'est le kiff. Hein. Tu prends les photos, tu investigues, etc. Et puis tu chopes les mecs. Ça, c'est le top australien. Ouais.
Jamais test. Bienvenue donc Kaiser, tu viens de la prochaine saison. Attends, elle est morte. Une fois, il est à l'arrêt pour le moment, on n'a pas de réponse d'un individu. Ma colle est prêt à partir. J'arrive en deux lignes, est prêt à partir. Patiente, eh oui, mais moi j'ai le feu, j'ai le fuego. On a il fuego, on est parti nous déjà, on est loin, dans le turfu gros. Laisse tomber. Elle est où ma cousine? Gwendoline. Chaud. Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis avec vous. Dégage de ma patrouille. Je suis avec vous. Ah, depuis quand t'es avec nous? Je suis en tango. C'est vrai? Bien sûr. Let it go! Let it go! C'est parti! Oh non! Votre carte, Rogers! Je suis en train de faire quoi là? Dépêchez-vous! Comment ça, dépêchez-vous? Vous êtes totalement malade, McCall là! Dépêchez-vous! Oh là là! Excusez-moi, allez, par contre, ce que je viens d'entendre derrière, ça me convient pas, je vais vous coller un outrage! Hein. Par sur les descentes de Paléto, il y en a aucun qui y va là! 7 km, soit 10 km d'actuation. Ouais. Tango 340, 10 km dernier, 60 de base. J'envoie les codes 3 ou pas? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais par contre, arriver dans Paléto, tu les... Oui, comme d'hab. Maintenant, j'ai compris la procédure. À fond. Votre carte, Rogers. Allez, the card. C'est d'éteindre les codes 3 à 500 mètres, les codes 2 quand on est tout près, on se gare, on se tait, on s'accroupit, on prend la photo. Ouais, alors gros, je t'explique, c'est code... En fait, allez, il me dit ça, l'autre il me dit autre chose, non, ça non, c'est comme non, la MDT. Non, je te dis ça. Code 3, c'est quand t'arrives à 1 km, là tu retires ton code 3, tu fais ton code 2, et quand t'arrives à 500 mètres, là tu retires ton code 2. Donc ok. 3, SA, MRD, je suis là, ok, je suis là. Incroyable! Ah, mais ça va la pluie là, c'est. Wouh! What the fuck? What the fuck? Au vu de la situation actuelle, tu retireras tes codes 3 et 2 à 1 km. Bon, ok. Bien pris! Merci. Et Rogers, tu me laisses gérer avec mon boot parce que depuis tout à l'heure, notre duo marche très bien. Exactement. Non, moi je suis le boot à tout le monde. Moi je suis un orphelin. Moi c'est Costa, je l'ai jamais vu. Ouais. C'est Costa, je l'ai jamais vu, c'est un superviseur. Ah oh non, mais je l'ai vu une fois. Il est parti en OP ST, je crois, un truc comme ça. Fini. J'ai pas parlé avec lui, j'ai juste dit mes respects. Donc j'espère que. J'espère que j'aurai la chance de le croiser, comme c'est mon référent. Oh, tu verras, il est chaud. Costa, ah, c'est ton référent. Bah ouais, mais je l'ai jamais vu. On est bientôt à la fin de la semaine. Oh non, mais c'est un abus. Enfin, il est. Les gens ils veulent être référents de boot, mais ils viennent. Alors que moi j'étais chaud pour apprendre, j'étais chaud pour. Ça, écoute, tu vas devenir. Non, mais tu mon... sais que Rogers, le pauvre Hopkins, Sam Hopkins, son référent c'est Jaren Lista. Il est tout le temps en train de prendre les boots des autres, mais quand son boot il est là, il le prend jamais en patrouille avec lui. Mais moi, Nook, dès que je peux, je le prends en patrouille. Mais Nook, quel boot a pas de référent là? Tout le monde en a. Mais si, ils en ont un, mais qui n'est jamais la référence. Je vais te dire ça. Bah, Costa n'est pas là pour Andolini. Andolini. Bah, on est bientôt vendredi, hein, c'est jeudi. Andolini. Eh bah, je sais, vendredi. Je vais te dire ça. Velcoro, il est avec Doyle, ça, je pense que c'est good. Jaren Lista avec Hopkins. Jaren ne s'est jamais occupé d'Hopkins. Wang il est avec X, Wang il s'occupe de X, j'ai entendu X plusieurs fois râler parce que justement il patrouille qu'avec son référent. Taker avec Winter, je crois que Taker est toujours là, c'est Winter que j'aimais là. Jamais content. Walsh avec Burnett, Walsh a été viré. Noc c'est vrai avec moi. Ouais. Noc est avec moi, Noc je lui ai fait tous ses rapports, il est valide. Spitzbird avec Rossi, ça se passe très bien tous les deux. Stanford et Harrington, très bien aussi. Salvedo et Stenmund, bah ils sont jamais là tous les deux, comme ça résout le problème. Costa avec Andolini, Costa ne prend jamais Andolini. Et Perkins avec Dawson, c'est Dawson qui est jamais là. Voilà. Dawson, c'est un ancien GSPT.
connais pas mal de choses. Ah, en plus, moi j'ai envie de tourner, j'ai envie qu'on me dise voilà, vas-y, tu fais bien ça, toi, tu fais pas ça. Holden, toi, c'est Holden. Attends, il est où Connor dans l'histoire? Messieurs, qu'est-ce qu'on fait? Tout droit? C'est comme tu veux, ça ton il est où? Attends, mais là il est sur notre droite. Bon, on échouffe, c'est mort, on échouffe. Ils font pareil que tout à l'heure. Je suis monté tout à l'heure ici, ils tournent à deux motos, ils sont 6 ou 7. Ok, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller tout droit. Ouais. Vas-y, tout droit. On va faire un peu de route, mais tant pis. Ouais, ils sont en train de prendre en photo. Garage main, moteur. Tu vas tourner sur ta gauche tout de suite. Y'a personne dans les alentours. Ok. Tu vas te garer derrière. 16 à 187. Voilà, juste ici. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller à pied derrière le gros bâtiment. Il nous suit, il nous achouffe. Hein. C'est fini. Ouais, c'est fini. On peut changer de position. Putain. Va vers le port. Essaie d'aller sur les rails. Sur les rails? Regardez à gauche s'il me suit pas. Par contre, s'il me suit, je lui fais un 10-38 hein, parce que ça fait 3 fois là quand même qu'il nous suit. Pas déconner non plus. Hein. Je vais demander une unité de renfort pour les palettes, pour Paléto, parce que ça va pas être possible. Tango 340, est-ce qu'une unité pourrait venir en backup sur les 1060 de Paléto? On a beaucoup d'individus qui vont dans masse. Je peux tourner ici, vous voulez que je prenne les rails? C'est un train qui arrive, c'est nickel. Merci à vous. Je pense que c'est désinfecté, je suis pas sûr. Garde-toi. Recule, faudrait qu'on aille derrière l'autre gros bâtiment rouge. Vas-y, recule. Ouais. Voilà, le gros bâtiment en pierre, tu vois le derrière toi? Vas-y, tourne. Et là, voilà, tout droit, t'essaies de te caler. Attention qu'ils nous voient pas de ce côté-là. Ouais, c'est chaud. Vas-y. Ouais. Au fond, tu vas te garer derrière le gros bâtiment. Parti. Prêt à partir. Ouais, dans l'autre sens, c'est mieux. C'est pour ça que je t'ai dit recule. Paléto, bon, on est comme tout à l'heure apparemment. Je fais quoi là? Je fais quoi? Je recule ou pas? Reste comme ça. Ouais. Non, il faudrait qu'on arrive à les choper d'un. En fait, quand toi tu les chopes d'un côté, nous il faudrait qu'on fasse diversion de l'autre, ou tu vois ce que je veux dire? En fait, le problème c'est qu'on est spot par une voiture. Chaud là. Énorme la filature. Nous on est à pied là, on a caché notre véhicule derrière un. Ils vendent de plus, ça sert à rien. Ils vendront plus. Vendront plus, hein. Ils nous ont baisé une fois, ils vont. Il faut qu'on envoie une king. Attends, il faut fermer le véhicule. Putain, que quiche. De Perkins, ils vont tourner dans tous les sens en Paléto pour justement les attirer vers eux. Quand nous, du coup, on va essayer d'y aller à pied en mode discrétion pour justement avoir un flag. Mais là, ils vont plus vendre, hein. C'est fini. Non, ils vendent non plus. Ils ont vu qu'on était là, c'est fini. Tout à l'heure, ils ont joué avec nos couilles pendant, je sais pas, 6-7 ventes. On est 3 découverts. Ouais, on s'est fait chaud. C'est bien eux ou quoi? Non, c'est pas eux ça. C'est pas eux. Il faut qu'on boot ici parce que là, on est trop spot. On va. Ah, ici, ouais, on est spot. Alors, il faut qu'on aille côté plage. On va prendre la marine. Là, c'est fini là, il y en a plus d'appels. Conduis, au pire, laisse-moi conduire, tu veux. Non, ça va. Non, tu conduis pas. Ramène, va au port. Non, mais ça va, vous inquiétez pas. Hein. Tu sais où? Tu t'as pas attendu que je grimpe dans le véhicule, Andolini, la porte, elle s'est cassée. On a. Quoi? Ouais, bah ils ont arrêté de vendre, on a été spotted. Le problème c'est que dès qu'ils voient une voiture de flic, ils sont 10 à vendre, ils arrivent. Ah bah je reste cassé. Et là, ce que tu vas faire, Andolini, tu vas maintenant rentrer dans Paléto et tu vas voir si on joue là. Essaye de tourner à. Ouais, je vais en retourner. Bien sûr. La prochaine route, Andolini. Tu vérifies si ils sont toujours là, etc. S'ils sont vraiment partis. En fait, ils nous ont spot et ils sont partis. Tout à l'heure, ils vendaient ici. On sait pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que ça vendait en masse. Et dès qu'on a voulu se mettre directement en cachet pour, tu sais, pour les avoir à pied. Oh, je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr. Dès notre arrivée sur Paléto. Ça va, derrière nous. Derrière nous, ok. C'est
c'est sur l'avenue principale de Paleto Bay, dans, entre le tatoueur et le. Et le vendeur de fringues. Tu peux pas te garer ici. Ok. Ouais, j'attaque Hormone. Antonini, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tourner avec Perkins pour les faire chier. Rogers et moi, on fait le tour des pâtés de maison et on essaie de choper des points de vue chacun de notre côté. On se fait un troll. Alors, c'est pas compliqué. C'est quand en fait je passe, ils vont vendre derrière moi, d'accord ? Quand je passe, ils vont vendre. Donc... Non mais attends deux secondes, on va se mettre... Allez, c'est parti, ouais. Est-ce qu'on essaye pas de monter d'un cran une radio pour justement se mettre d'accord pour comment on gère? Mais je vous prends par téléphone, sinon je vous appelle de suite. Ouais, tu restes sur la fréquence, vous faites tous un plus un sur la radio. Moins un. Moins 0,01. Okay. Roger, tu fais un moins 0,01 sur la radio. Ok, moi j'ai fait moins 0,01, c'est bon ? C'est bon ? Parfait, et moi du coup je suis avec vous en radio. Je reste sur la radio moins 1 moi ? Alors attention, je vais faire l'annonce radio. Donc messieurs, pour les 10-60 de Paleto, on a donc la dame de Perkins. Vous allez tourner au niveau des extrémités, c'est-à-dire avenue principale de Paleto et Est-Ouest. Andolini, en Lincoln, tu vas faire des allers-retours dans l'avenue principale. Roger et moi, on va essayer de les choper par derrière pour avoir des 10-60. Ils s'amusent à vendre quand les véhicules sont passés, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les choper en photo, donc on va essayer de les avoir comme ça. Est-ce que c'est compris pour tout le monde ? Capé. Si vous arrivez au niveau de la dame de Perkins, si vous arrivez à avoir des individus de votre côté, n'hésitez pas à nous faire un 10-35 et un 10-20 de la situation, d'accord ? On est parti, hein ? Ok, c'est bien pris. Allez, bon courage à tous. Dans la dame sur la fréquence, Perkins, que tu arrives sur fréquence patrouille. Moi, pour moi, c'est mort, hein. Là, il faut juste guetter qu'on envoie un. Pour les flags, merci de nous. Si vous croisez une bande d'individus, merci de nous faire un 10-35 pour qu'on puisse se rapprocher de la zone de photo. Pas découvert là, je vois même moi de là. On bouge absolument. Pour le moment, on va aller se placer déjà parce qu'on sait même plus où ils sont. Si, ils sont près de l'office de Paleto là. Ouais, tu fais le 10-35 pour appeler Adelaide. Ok, artère principale 380, j'ai deux individus, un en moto, un à pied, à côté de... Attends. En face hôpital, en face hôpital. Reçu, j'ai un individu au niveau du coiffeur. Au cas où, pour faire ça, messieurs, on peut prendre le dos de l'hôpital, c'est un service public, on peut se mettre sur le dos de l'hôpital au cas où. Ça vous surveille. À 385, je suis derrière l'hôpital. Ils arrivent sur vous. 40, je suis sur vous. 3 actuellement.
Ils arrivent sur vous derrière l'hôpital. Hein. McCall pour Roger, je crois que t'as été spoté au niveau de l'ouest. Non, du niveau du sud, direction office. Possible, je suis accroupi, hein. Il me voit pas. Il faut les trouver là. ,80, plus personne au niveau de l'artère principale. Ouais, affi. Bien fait, t'avais fait deux tours s'il vous plaît du terrain là, que je sais moi si c'est encore là, hein. Si on fait là, ça enlève le dispositif. Ok, je vais commencer le tour par le PDP. Ouais, puis tu fais tout ça, fais deux petits tours, vérifie-moi tout ça. Je viens de passer devant l'office, je suis sur la GOH, je vais faire le tour de Palais-Toise. Copie. M'étonnerait qu'il soit resté. La deuxième unité véhiculée, est-ce que vous pouvez checker juste en bas le contrebas, il y a un petit hôtel avec un bar. Ils sont pas calés là-bas. Ils sont en train de tourner au niveau de l'avenue principale, j'ai hâte de les voir passer. Ok. Ok, les 4. Je pense qu'à mon avis, ils nous ont repérés, ils sont en train de chercher combien on est. C'est ça. Si c'est comme tout à l'heure sur le dernier 60 en début d'après-midi, leur spot vraiment c'est la station essence au middle. La lumière à chaque fois, mes phares. On voit pas. Et non comprendo, artisan de la qualité. Là, je les vois pas, vous les voyez vous? C'est incroyable. Je pense qu'on peut lever le dispositif, ils ont bien vu qu'on tournait fort et qu'on était plusieurs. Ouais, puis on va ramener Mickey sur la position là. Une pause pour vous récupérer. Ah, puis vous faire 10-35. Bien prêt. Devant l'église pour 325. Messieurs, repartez tous en fréquence basique, patrol s'il vous plaît. Pas d'opération. On repasse tous en fréquence. Où la porte? Attends. Ouais, attends. Putain. Ouais, allez. Yo Kevin, ça va ou quoi? J'ai ta life. Ah non mais ça se barre trop vite, ça se barre beaucoup trop vite. Là le problème c'est qu'en gros, à peine on est arrivé, ils se barrent en courant, ils ont des véhicules de partout. C'est ça. Mais ils sont pas seuls en fait. Va Palito, bah il va pas l'office Palito s'il te plaît. Là. Donc là depuis tout à l'heure ça avance soit devant l'office, dès qu'on a quitté l'office, avant côté LTD, quand on se respot vers LTD, ça revend. En fait le problème c'est qu'ils sont en perpétuel mouvement parce qu'ils ont deux guetteurs en moto,
un véhicule en voiture. Yo Hydrac, ça va gros? Tranquille gros? C'est une galère infinie pour les choper. Du coup, si jamais t'as l'occasion de passer par Paléto, dès que tu vois des 1060, on te laisse la zone et puis au pire des cas, on vient en renfort pour les, tu sais, pour les attirer de notre côté et toi, tu peux prendre tes flaques de ce côté. T'as fait de d'accord avec les avec la chemise? De quoi? Ouais, c'est qu'on n'a pas de ce soir-là, on n'a pas de Nora ni quoi que ce soit. On peut espérer qu'une petite King. Elle sert à quoi réellement la King? En plus de discussion en fait. Oui. Merci, merci pour tes bits. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci du soutien. C'est cool. Bon garage, hein, on va essayer de choper un garage. Merci beaucoup, merci pour tes bits, merci énormément. Ouais, vas-y. Ah, qui est... Merci, merci. Au pire des cas, j'aurais pu t'envoyer Rogers en Edward, par exemple. Bah, 3-15. Des bisous, à bientôt, merci. Oui, merci en tout cas, ça fait plaisir. Il fait partie de la TD, donc... Merci, merci. Faudrait me dire c'est qui sur Discord, que je puisse te remercier. Merci beaucoup. Même si je crois savoir. Passe juste premier. Eh ben c'est gentil, okay, c'est gentil, merci beaucoup. Hold up. Hold up. Ça peut être pas mal pour les prochains. Ça brime à l'eau. Ils vont continuer. Hein. Merci gros. Non, à mon avis, ils sont partis se renflouer les poches et ils vont revenir. Hein. On t'attend tout 68 le garage. Ouais, vas-y, vas-y. Ok, ça roule. Allez, on est reparti pour ça l'investigation. Non, du tout. C'est juste que je suis un peu fatiguée depuis tout à l'heure, donc... Mais tout va bien. Ça marche, Ali. De quoi, Kaiser? Hermès? Quoi ça? C'est le plus gros Holmes inspecteur, je sais même pas qui c'est Holmes gros. C'est quoi Holmes? Ah Holmes. Sherlock Holmes le plus méchant. On va retourner en fréquence patrol. Si jamais il y a d'autres 1060 sur Paléto. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste. On me laisse. On va juste faire ces procédures des contrôles d'identité. On va directement s'avancer vers eux. Mmh. Et puis, contrôle d'identité, quoi que ce soit. Et on va juste les empêcher de vendre. Donc, ok. Petit code 2. Dissuasion. Voilà. Disons qu'on sait qu'on a des doutes. On sait qu'ils sont là pour et vendre. Et qu'il va là, inspecteur Gadget. Qu'ils vendent. Ouh, malheureusement, ouh. On n'arrive pas à avoir de plaque pour l'arrestation. On peut au moins les faire chier, quoi. C'est ça. Donc on va les faire chier. Bah ça marche, tu m'appelles quand tu dis 10, je le reprendrai. Ça roule tout de suite. C'est normal le rotemort là? C'est... De quoi? J'ai dit c'est normal le rotemort? Ouais, c'est, non, c'est une déco? C'est une question de perspective. Ok. Putain, ils sont trop bien maintenant les véhicules des Rangers. Respect. Eh ouais, ils sont trop bien.
Ils sont bien Tintin. Ouais. Et vous, c'est par rapport à des grèves que vous avez fait un truc Non, non, c'est le nouveau véhicule. On part en 1056 d'une sapote turbo, orange et noir. Hélico. On appelle ça des squaddies, un nouvel hélico. On a la Torrens. On a aussi la Stanier. La Wiki, la petite là, à 3 places aussi, non? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, ben force à vous. Ouais. Et la Kibara. Inspecteur Gadget. Privet. Ouhou. Ouais, pétage de plomb, c'est 4 heures. Ah, merde. On a fait, c'est l'heure du goûter. Ah. Ça va vous? Eh, hey, comment ça va? Ça va. Mais respect déjà. Mais respect bien sûr. Ça fait plaisir. Bah oui. Ouais, elle a été dégondée, on vous l'a mis dans le coffre la portière. Hein. Ouais, pas de soucis, je vais aller la refixer dans 16 à 70. Vous ouvrez. OK, OK. Ok, on va essayer. Allez-y. C'est bon. Ok. Aspect. Ouais. Et alors, Toutou, tu fais la sieste? Tu fais la sieste depuis longtemps quand même, c'est bizarre. Toutou, je pense qu'il est mort en fait. Non, pas, non, pas ça. Bon, en tout cas, ça fait longtemps qu'il est là, quoi. Mais non, son pouls il barre encore. Oh bah, il est pas mort. Allez, veulent tuer les chiens. Eh, merci beaucoup. Merci. 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 On va à Mission Row, Andolini. C'est parti. Ok, bah écoute, ouais, on se rejoint là-bas et puis je vais mettre Rogers avec Nook. Il va voir à quel point mon boot il est parfait. Oui, oui. À plus tard, Perkins. Et moi je suis la cerise sur le gâteau, the cake on the cerise. C'est... Ouais. Ah, mais moi j'ai personne qui dit mon boot il est parfait parce que moi il y est pas. Ah! Tu seras mon boot à partir de maintenant, c'est bon. Comment ça? C'est devenu mon non, boot. Non, mais Rogers, tu peux toujours cadeau. Pas, si ça marche pas comme ça, tu peux toujours pas t'attitrer de. C'est ça? C'est mon boot. Officieusement, attention. Ah, alors ça va. Est-ce que tu veux passer D2? Est-ce que tu veux passer D1? En deux semaines ou pas? Oh, D2. Si j'ai le choix. Oh, ça a jamais existé, je crois. Si ça existait une fois. Ouais, après peut-être des anciens qui reviennent ou des trucs comme ça, non? 01 10 15 au poste avec l'individu. Non, même pas. Bon, ok. Ah là 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 là. C'est quoi ton nom? Ardenito? Ouais, c'est Ardenito. Qui parle? Ah merde, c'est Ardonil, Ardolini, ah merde. De quoi? Andolini. Non mais vous avez des pois chiches dans les yeux ou? J'ai mal vu. Andolini, artisan de la qualità, Sandichore. Italien surtout j'ai l'impression. Un petit peu du côté de papy, troisième génération en partant du sud. Ah bon? Ouais. Mais bon, il est pas resté longtemps. Attendez. Mais je sais pas, il y avait une histoire, papy me disait qu'il avait acheté le nom en fait. Ah bon? Bon, à l'époque, ouais, pour se faire oublier, parce que c'était un faussaire mineur d'or, je sais pas quoi. Et il était tellement plein de conneries. Il a dit qu'il avait une jambe en bois juste parce qu'il était fan de Pinocchio, enfin, que des conneries comme ça. Donc pour le coup, je le crois plus. Elie Janok, c'est pas lui. Non, Nook, c'est mon boot, critique pas Nook. Hello, Hopkins, c'est pas Hopkins, c'est Hopkins, je crois. Ouais, mais après, c'est pas un peu facile, ça de s'attribuer un bout en or quand il atteint la fin de la semaine. Hey, je vais te payer. Alors, je vais vous dire direct, Andolini, c'est pas nous qui choisissons nos boots. Vous voulez que je vous dise, à la base, le boot que j'avais choisi, c'était Hopkins. Mm-hmm. On m'a attribué Nook. Bah, okay. J'ai fait avec Nook. Bien sûr. En fait, en gros, je vous explique. En fait, le député référent, il va se référer à quoi? Eh bah... au rapport boot qu'il va faire, et à la fin de semaine, bon, moi ce que je faisais des gros rapports, c'est-à-dire que j'expliquais, voilà, ouais. Est-ce moi, mes yeux, est-ce qu'il est prêt ou pas prêt. Moi j'ai fait passer un boot 3 semaines au lieu de 2, tu vois, parce que moi j'estime que
Ah, par contre, les Dengar, il a non? Ouais, ouais, j'ai vu. C'est pas parce que tu connais tes TIN codes que forcément tu connais tout dans le service, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir une chose, c'est que nous, on nous demande qui veut être référent, qui est prêt à passer, à avoir de la patience pour s'occuper de boot, etc. Qui a la motivation et qui a la disponibilité pour le faire. Même si moi j'ai des horaires plutôt d'après-midi, je suis quand même vachement disponible. Bien sûr. Donc moi j'ai dit, je veux bien. On est venu me voir et on m'a dit, bah dites-moi ma call qui vous préférez. Je vais choisir Hopkins, il est bien, je me marre bien. J'ai un bon feeling avec lui, etc. À la fin de la semaine, on ne savait même pas qui allait être attribué. D'accord. Et moi, dans mon cas, ça se passe comment? Parce qu'il va faire un rapport par rapport mais à quoi? Comme toi, Andolini. Moi, d'accord. Mon référent, c'était le shérif Marshall. On est à 3 gros, km. Andolini, pensez que là, moi, par exemple, je vous prends en patrouille plus souvent. Ouais. Tu vas faire un rapport à la fin de la semaine. Et le rapport, il sera très bien détaillé. Et moi, je vais mettre une note. Personnellement, moi, je le sens apte à passer D1, etc., etc. Si, par exemple, je le sens apte. Je vous sens apte. Par exemple, si vous n'êtes pas, je dirais non, moi je préfère qu'il ait une troisième semaine pour qu'il soit un peu mieux. Ah, ça c'est la sale punition quand même, hein. Ça c'est la morte de la tonga, de l'opassion, de la favela. J'avais mon référent, c'était censé être le shérif Marshall. Ouais. Il n'est jamais venu patrouiller avec moi, jamais. C'est donc Cape Johnson, un ancien LSD que tu n'as pas connu, qui s'occupait de moi. Ok. Et grâce à lui, bah, je suis monté D1. Non, parce que je vous dis la vérité, je commence à en avoir un peu plein les couilles en fait de devoir prendre mon service que le soir alors que je suis dispo toute la journée. Vraiment. Et il faut le temps autant, hein, mais franchement, c'est saoulant quoi. Et des fois, j'arrive et j'attends une heure, il n'y a personne, je repars. Ah, j'ai même pas pris mon service en fait, du coup. Je triche même pas, je m'en fous de la paye, je m'en fous de ci, je m'en fous de là. Mais franchement, de ne pas pouvoir tourner, etc., c'est un enfer total. Demande à la liaison. Ben, quand j'ai envie de prendre le matin ou j'ai envie de prendre l'après-midi, etc., j'essaie au moins d'être deux, histoire de. Voilà, que ça soit quand même. Si pour prendre le service en solitaire, c'est un peu pourri. Donc j'aime bien échanger. Moi, je parle très peu, mais voilà, j'aime bien converser. Donc c'est vrai que j'attends un peu qu'il y ait des collègues qui soient là et que tout. Donc des fois, je me montre, c'est midi, je me montre, je me mets en dispatch. Pff, personne. Après, je me taille. Hold up. Bah, moi, yo Zeta, bienvenue chez Telchef. Tiche. Ok. Et là c'est fini pour vous là. Andolini, c'est ce qu'on va faire. Andolini, hey. Ce que tu peux faire, c'est toi, tu peux aller tu peux aller voir les EM ou les états-majors et dire, écoutez, mon référent, il est jamais là. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de m'attribuer à quelqu'un d'autre que je puisse avoir un vrai suivi? Ouais. Ben, ce soir, quand éventuellement il y a le dispatch, etc., je le dis. Non, ouais, mais c'est ne de choper un EM, ne dis pas comme ça. Dispatch, ne dis pas son dispatch. Et ne, okay, okay. Honnêtement, de préférence, ne le dis pas même à l'EM en soi, t'inquiète pas. Mais de toute façon, je dis rien, je finis ma semaine et puis voilà, hein, je trouve, rien, voilà. Les on verra bien. Faire une note sur toi. C'est ça. De toute façon, c'est pas nous qu'on décide, c'est pas bien sûr. C'est le petit référent qui décide. Hein. Ça va, je m'en fais pas de toute façon. Ouais, ouais. Ils vont voir les rapports boots. C'est positif, ça sert à rien de parler à l'EM, on s'en fout. Bien sûr. C'est la SA qu'il faut s'en occuper, c'est les staffs de la SA. Hein. Parfait. Alors, des petits référents ou pas, entre guillemets, en foutant un peu. Le petit référent, il a... Oui, non, mais ça aurait été simple. Je dis, ça aurait été sympa comme tout le monde, c'est sympa. Vous avez voulu des boots, quand vous les avez, c'est sympa. Donc moi, quand j'ai eu un référent, je me suis dit, tiens, ça peut être cool au moins de partager quelque chose, quoi. C'était qui, mon petit référent, moi? Non, c'était qui? Savage. Qui? Ah, tu connais pas. Non. En gros, j'avais un député de base, référent, ouais, qui n'était jamais là. Et ça va être, il m'a pris sous son aile. Ok, ok. Et il m'a tout appris. En 3-4 jours, je savais faire plein de choses, des DA, etc., etc. Je connaissais mes codes radio et tout. Bah oui. Faut savoir que, même si c'est pas ton député référent ou pas, bien sûr, t'inquiète pas, ça veut rien dire. Et continue à faire ce que tu fais. Ah, oh, bah, de toute façon, je continue, hein, bien sûr. Ah, bah, hey, je suis là pour ça. Hein. On est là. Et bah voilà. Bon. On tourne ? Continue de travailler, continue de travailler et attention à toi. On est chaud ? On est reparti ? Ouais, alors attendez. Ouais. Oh, la belle vie. Sans amis, sans amour. Sans référent. S'il vous plaît, il pleut plus. Ah, c'est faux. T'as dit quoi ? Respect. Ça va? Ouais, d'impeccable, hein, on est à fond là.
Ça bouge bien, c'est cool. Ouais, wow, ouais. Et vous? J'avais pas mis un putain de moteur dans cette caisse. Il me semble que t'as plus le droit de mettre les moteurs dans les voitures. Ah ouais, bah route secours. Ah ouais, il y a que la route secours que tu peux, je crois, trousse, tout ça, tu peux plus. Ok, chacal. Ah non, chacal et chacalette. Belle croque dans la galette. Je connais. D'accord. On est parti. Yes. Je suis chaud. Alors. Allez, on boit. On mange. L'huître. Comme on dit à Sandy Shore, chala qu'elle remonte pas dans la gorge. Et on est reparti. Toujours ta petite réserve dans la moutarde au cas où si besoin. Ouais. Croûte sur la route. Exactement. Est-ce que je vais avoir un médecin disponible hein? Pour. Parce que je me suis un peu beaucoup cassé la gueule ces derniers temps. Eh ben on peut check. Au moins tu peux te refaire la face Bouddhichek, il y en a pour. Ah, Bouddhichek. Et comment ça se passe quand, au niveau de mon Kevlar radio, de temps en temps, on a pris des petits coups, des trucs comme ça? Pour bien. Des fois, elle casse, bah t'en prends une autre. T'en prends une autre, ouais. D'accord, ok, ok. T'en fous, c'est pas un Kevlar, c'est juste une radio que t'as foutu sur toi. Ça s'abîme. Des fois, ça s'abîme, en fait. Ça s'abîme, okay. C'est juste qu'entre guillemets, tu vois quand elle est rayée. Après, j'ai une question con avant de partir, parce que tout à l'heure, on m'en parlait de demande de renfort. Du coup, réponse con alors? Non, réponse unanime. Où c'est le check sur le petit boîtier de la demande de renfort? Alors, tu vois là, sur c'est bon, la, c'est bon, c'est bon. Eh ben, c'est bon, je viens de le trouver comme un con. Il était là dans ce fauteuil, mon spectateur du premier jour. Tel que Andolini. Ah, j'adore. On est parti? Hello ma putain de matricule, on me l'a retiré, putain ils ont effacé mon truc. Oh, allez, petit bisou sur le front, Burnett. Non, me touche pas. Non, j'ai gueule à toutes. Eh, mais attends, ils m'ont retiré. Un bisou, petit père. Allez, on est reparti. 85, 10, 98. Et je crois que je ne suis pas sur la bonne radio. Plus 1, on a fait tout à l'heure, hein. Plus 0, 0, 1. Non, on a fait moins 1. Oui, mais là on a refait plus 1 pour revenir. Hey, oui, mais j'étais pas revenu. Plus 2 moins 1 est égal. Alors. 25, 10, 98. Parfait. Hold up. Allez. Hold up. J'ai un Jeep sur une Jeep verte au niveau du port occupé une fois. Oh putain, il se fout de ma gueule. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Mais Bernard, putain, il peut pas me dire qu'il prenait son service pour le cul. On le prend en tango? Non, non, lui, je le dispatche toujours en Lincoln. Ok. 52. Et pourquoi il y en a qui se dispatchent en Lincoln? C'est une préférence? C'est par rapport au rôle? Lincoln, tu veux King, secteur 18-19? Allez, ça marche. Bisous. Il y en a certains qui sont plus aptes à... D'accord. Ouais, c'est plus par rapport à une division peut-être aussi, histoire qu'elle soit présente. Oui aussi. Okay. Tu fais partie de l'ID ou de la GND, je sais plus. Ok, ok. Et c'est fait... T18-19, voilà. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve, il n'y a jamais de médecin quand il faut. Par contre, dès qu'il n'y a, a pas besoin de médecin, ils sont tous là. Bizarre, on devrait faire une enquête. Que font les médecins quand ils ne médicinent pas? Bah, je touche. What? Bah ouais. King 367, je me rends sur le dernier 60 sur Capital Boulevard, y a-t-il déjà un code 5 d'établi? Bien pris. Oh, j'ai pas entendu la réponse. Vous avez entendu la réponse? Je suis SSD pour King
2367. Yo, grenouille. Les 1060 de Capital Boulevard se déplacent aussi sur Innocence Boulevard. Ça va ou quoi? 10-4. Tranquille ou quoi? C'est les mêmes que tout à l'heure. Jure, tu es sur GTA Live. Ah bah, je te jure, gros, ça fait un mois, gros. Ouais. Mais non, il n'y a pas eu de réponse. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas eu de réponse, on doit considérer que c'est négatif. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai gueulé en radio, parce que... Kyle Anderson annoncé, coup, c'est qui, Kyle? C'est pas... Gamingo? C'est pas ça, gros? J'ai demandé s'il y avait... Ou je sais pas, je me trompe peut-être. On n'est pas tout le monde encore. J'ai attendu... Tu es l'SSD, moi, gros shérif. On n'a pas eu de réponse, j'ai dit très bien. Ok, exactement, tu vois. On se rend sur les 1060 de Movistar Way et t'as vu qu'on s'est retrouvé à deux Adam. Je le connais pas personnellement, et après je connais. J'ai vu des trucs. D'accord. J'ai vu des. Ça sert à rien de les prendre Capital Boulevard, c'est, tu sais, c'est le pont. Le pont. Le pont du fond. Ouais, d'accord. Donc ça sert à rien, c'est pas, on va pas aller les embêter. Il y a déjà. Prendre sa vent en masse. Mais il y a deux Adam déjà dessus, il y a celle de Roger. Bien sûr. Mais moi je suis tout nouveau sur le serveur, après j'ai pas mal de RP, il y en a beaucoup qui connaissent mes aventures. Et dans peu de temps ça va se déplacer sur... Attends que je te dise pas de bêtises... Quoi, ça fait un circuit toujours un peu pareil, c'est ça? C'est ça, ça va d'abord se déplacer donc Capital Boulevard, ensuite Innocence Boulevard. Et quand ça va les saouler, ça eh va eh ben tu pourras sur, te pisser dessus aussi à l'écoute à la mienne. Hardware Avenue, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. D'accord. Tu verras, ils sont cons, ils font toujours la même chose, mais au moins on sait à peu près quels gens c'est, tu vois. D'accord. Bon, ok. Généralement, c'est des bikers. Quand ils vendent. Je les ai vus passer derrière le PDP tout à l'heure. Hein. Ouais, bah oui, ils regardent s'il y a du monde ici, si. Ils étaient deux. J'aurais besoin d'unités en backup, on a 4 individus qui sont en train de vendre. J'en ai 2 en flag et 2 autres où je les ai vus. Capitaine 40, on va arriver en backup. Bon, bah, on a 200 mètres même pas. Ah ouais, 200 mètres avant le reste. Ils sont sur le pont actuellement. Tu vois, je l'avais dit. Il y a 340 qui étaient déjà sur place. Mmh. Putain, en plus, ils vendent en masse. Hein. Ah ouais, non, mais là, ils se foutent clairement de notre gueule. C'est là. Clair. C'est de la provocation quand ils font ça. Quand ils vendent en masse alors qu'ils savent très bien qu'on est dans les parages, c'est de la provocation. Non, tu fais pas le démélanger, gros. Attendez un peu. Tu fais pas, tu peux faire des OP, mais tu fais pas avec le LSPD. C'est normal, parce que nous on est shérif donc. Mais bon, franchement, bonne ambiance. Dites-moi. On va aller faire les checks. Check de où? Alors, direction. Ah, les checks, ok, ouais, direction, le point, c'est parti. On va commencer par le. Si c'est à droite, c'est l'acide. Si c'est à gauche, c'est la chambre qui sert. Comme vous voulez. On va commencer par l'acide. On va faire acide. 2 à 3 45, vous avez le signalement des personnes prises en flag. Ok, on va partir par là alors. On a l'individu avec le haut en vert et qui Marcus. L'individu avec un haut en blanc. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, grenouille. Je suis à l'SSD, shérif. Shérif. Ah, shot the shérif. Donc, on peut les choper actuellement. Récolte de chambre, tu sais où elle est? Ouais. Allez-y. connais tout. Tous les points et tout. On y va. On va commencer par récolte de chambre, ensuite on va faire acide, phosphore et coca. Ouais. Y'a que ça de connu en ville ou y'a beaucoup de choses en fait qu'on n'a pas? On n'a pas le traitement de chambre. D'accord, mais sinon. Pardon, hein, mais moi je vois des dingueries, je suis obligé de faire un petit écart. Hein. Ouais, un poteau du ciel qui est tombé. Voilà, ok, d'accord. généralement, c'est des gens que tu sais qui foncent dedans et puis. Qui laissent, ouais. Au niveau des drogues et compagnie, il en existe beaucoup ou pas du tout? Comment? Il en existe beaucoup? Deux. De type de drogue? Bah, cocaïne, méthamphétamine, cannabis, acide sulfurique. Ça, c'est plus pour la création de. De meth? Je sais pas trop comment ça marche. Tu connais Sam le meilleur? Non, ouais, c'est Sam bon, comment? Marque-moi le nom, gros. Après, je sais pas. Après, je connais pas tout le monde, gros. Ouais. Tu sais, on arrive, hein. Au fur et à mesure, tu vas me citer tous les noms du serveur, gros. Très, soft. Mais je sais pas pour l'instant. On va voir. Déjà, je connais déjà la personne avec qui je patrouille et d'autres. Donc, on verra bien.
Alors, on va check s'il n'y a pas autre chose. Mais il y a des bonnes personnes, t'inquiète pas. Niveau ambiance, on n'est pas dépourvu. Très loin de là. Très très loin de là. Et là, dès que je passe des putis, ça va, l'aventure va vraiment partir et commencer. Parce que là, pour l'instant, on prend des fois un peu, entre guillemets, pour un teubé vite fait, mais c'est normal parce qu'il était boot. Il faut dire ce qu'il y a, Perkins, ses photos dans Photopreuve, elles sont belles. Ah. Et ouais, mais pour le coup, quand même, j'ai fait plus d'un an de police, commandant et compagnie, donc t'inquiète pas, l'œil gelé, quand tu disais tout à l'heure, des très bons retours, les ici, les là, etc. Ça tue. Ouais, c'est rigolo, après on est là quand même pour faire du RP sérieux. Donc tu vois, monter des belles enquêtes et tout, moi c'est ça qui me chauffe. C'est bien de délirer à fond, je suis le premier à déconner. Mais après, il faut aussi des belles enquêtes, etc. Perkins, il vient c'est de ça, c'est ça, Vanne. C'est bien, il a fait un bon rapport à mon but. Alors vous, l'acide, vous le checkez où? Vous le checkez côté pont ou vous tournez carrément, vous prenez le petit chemin de terre? Non, mais parce qu'il y en a qui me disent « Oh, t'arrêtes pas sur le pont !» Et d'autres, ils me disent « Ah non, il faut pas descendre en bas !» Chacun a sa méthode, c'est ça qui est ouf. Le mieux, c'est le checker en haut du pont, parce que genre... Ouais. Par contre, attendez, désolé. Parce que pour le coup, j'étais parti sur l'acide, mais en fait, il faut checker d'abord là. Ah oui, je vous avais dit d'abord... C'est ça, c'est pour ça, vous avez vu la mémoire. Ça revient, ça s'en va, ça revient. Je fais de tout petit rien, mais bon. On est là. Vous êtes prête? Vous êtes prête? Vous savez dans quoi vous voulez. Vous êtes prête? Ah oui, vas-y. Vous voyez quelque chose? Reste pas planté là. Faut que vous voyez. Avance tout doucement. Ouais. Tu aurais dû. Vas-y, regarde, descends, je vais te montrer le parcours. Vous voyez, moi, la dernière fois, on m'a fait planquer ici. Monte à l'arrière, je vais te montrer. On m'a fait planquer ici, prise de photo ici. Oui, mais... C'est pour ça, vous voyez, d'une personne à l'autre. Éviter parce qu'ils nous voient. TLG gang, Rita. En gros, t'as avancé. Là, tu fais ton petit... Sors de ce corps, Clo. Parce que le problème, c'est que si tu fais demi-tour, ils peuvent t'entendre. Là, tu roules tout doucement, tu vois. On peut les voir d'ici, par-dessus le pont. C'est à ton passager de regarder. Là... Et là, ce que tu fais, c'est que tout doucement, tu t'approches. Tu dis à ton coéquipier, regarde. T'es censé voir des véhicules. Hein. S'il n'y a rien, code 4. Ok. Faut éviter de rester dans une zone, justement, parce que tu imagines, il y a des civils qui nous voient faire ça. Ah, mais moi, j'imagine, mais quand on m'apprend quelque chose, j'essaie d'appliquer. On a dit quoi? 4 km? Ouais. C'est bien pris, on va s'en occuper. Vous voulez que je reprenne le volant? 4 km, ouais. Ok. King 367 10 15 mission droit avec un individu. À 3.25, c'est un code 4 sur la colle de canard. Allez, on est reparti. Donc là, on va faire la colle d'acide. Ouais, comme je vous disais, donc pour le coup, c'est vrai que la dernière fois, on me dit reste là, prends les photos. La fois d'après, vous faites ça, et une autre personne, par exemple, comme vous, va dire tourne la tactique et tout. Donc j'essaie de prendre un peu de tous pour essayer d'effectivement faire le mieux et écouter les meilleurs conseils, de pas me faire bananer, quoi, voilà, sur les checks, etc. quoi. Donc c'est cool. Merci pour les précieux conseils. Bah non, mais enfin, le truc c'est d'être logique en fait, c'est même pas une question d'éthique, mais... c'est une question logique. Quand je le suis logique, il y en a qui le sont pas beaucoup, excusez-moi, mais vraiment... Alors, ce que tu fais, c'est que quand t'es avec certains, tu sais comment ils fonctionnent, tu fais tout comme ils te disent. C'est exactement ce que je fais, c'est ça. Voilà, mais entre guillemets, moi tu sais que j'agis par logique, bon, il y a derrière quand même les procédures, mais c'est j'agis sûr. Par logique, t'es sur un point sensible, un point chaud. Un point où c'est censé être caché pour les gens du fait que c'est une récolte de drogue qui est en plein milieu de la cambrousse. Comment t'expliquer que si du coup on s'amuse à rester dans le coin et qu'on bouge pas... Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est la pampa. Très 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 chaud. Et on pourrait s'arrêter au Loki, savoir si ils offrent pas à boire ou des trucs comme ça. C'est derrière moi, ça. Ouais, c'est le petit bar. Ouais, là-bas. Du coup, vous préférez quoi? Pont? Vous préférez à gauche?
Dans la descente. Moi, je prends à gauche, en fait. Ok. Mais je descends pas. Ok. Je reste en hauteur. Je check sur la hauteur, moi. Okay, faut éviter de descendre parce que si jamais t'as plusieurs individus et qu'ils sont armés et tout ça. Donc on reste là. Tu tournes. Non, ouais. Alors tu tournes, t'avances. Ouais. Moi ils m'ont fait aller voilà, jusqu'à la. Tu t'arrêtes là. Ça, Dame 92, on part en. T'évites de trop descendre. Une berline grise. Ok. Occupée deux fois suite au dernier 10-50. Là ou un peu plus bas, hein. Non, généralement on peut descendre là aussi. Hop, on les jumelles, on va regarder. Hop là. Là, y a personne là. On est bien. Non, y a R. Y a R. Yo, shipper. J'ai shippé. Non, y'a rien. Y'a rien. Y'a que dalle, allez on y retourne. C'est parti. 325, c'est un code 4 sur le shader. Donc là du coup on va remonter au niveau du phosphore. Ouais ouais ouais. Le phosphore je crois que je sais pas où il est. Ouais ouais. Je vous le dis. Allez, on est parti. Phosphorescent. Phosphorescent. Cette road, je crois que c'est juste à côté d'Innocent Boulevard. Quoi du renfort. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, là, tu es obligé, là, aux écrits. Là, sur le phosphore, pour reculer, c'est compliqué. Cher le mon bout, il évolue bien. Moi aussi, je suis fier de moi. Incroyable. Ah, c'est déjà ça, hein. Faut savoir s'aimer, hein. S'aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. C'est Adam 84, on est à 1,6 km du dernier 10-60. A340, on établit un code 5 sur la zone. On est parti pour le phosphore. Ils sont chiants, les Speedy. Pourquoi? Parce que la patrouille des CZ qui a annoncé qu'il allait sur le 10-60 de Cruiser 3. Et l'autre, il a dit 10-5. 1 km des derniers 10-50. Et merci Skinoz, merci pour ton raid poulet, merci beaucoup. On a écouté la radio bordel. Merci, bienvenue tout le monde, c'est le TLG Gang, merci beaucoup mon gros. Tiche. Ça fait plaisir. Merci mon gros. De 92, est-ce qu'une unité serait disponible pour se rendre sur le 1059 qui a lieu à San Andreas Avenue? On a perdu des individus, il y a des gens qui viennent récupérer le véhicule, il était déjà ouvert. Ça fait plaisir. Ici c'est sur la droite. Hein. C'est Adam 84. Donc là j'y vais en marche arrière, d'accord. L'individu en question qui était dans le véhicule avait un débardeur rouge long. Je vous laisse guetter. Et c'est une berline noire. On est bon, y'a rien. On recule encore un peu parce que des fois on a des véhicules qui se cachent. Tu peux y aller, hein, s'il y a personne, tu peux reculer. Hein. Ah, je peux reculer. Ouais, tu recules, hop, check, vas-y, c'est bon, c'est fini, on a check. Tu ah vois, bah ouais. Ben, va et vient. Ouais, ouais, ouais. Balayage. Ça va et toi, gros, tranquille, hein? 25, c'est un code 4 sur la récolte de phosphore. Allez, on part sur la coca maintenant. Normalement, là-bas, j'ai la chatte à la voisine. Hein. Vraiment. Hein? Je dis normalement, là-bas, j'ai la chatte à la voisine. Excusez-moi, c'est des expressions de Sandy Shore. Hein. C'est vrai que des fois. Quoi? Ben, j'ai de la chance. Vous connaissez pas? Non. Un célèbre chanteur de Sandy Shore qui chantait toucher, toucher la chatte à la voisine. Oh, énorme. Toucher, toucher la chatte à la voisine. Voilà. Exactement.
Et ça me donne envie d'enchaîner sur Macumba, Macumba. Non, merde. Danse tous les soirs, au rythme de salsa, aux accords de guitare. Au Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs. Et après, ça part sur Macumba Matata. C'est pas ça? Non. Quel chant fantastique! Wow, wow, wow! Et bon, signifie que en tu fait, vivras ta vie. Tomber là, tomber. Ah! La chemise, tomber là. Tomber, tomber, tomber la chemise. Ah ouais, mets-lui le petit dôme dans la vie. Il faut que ça glisse. Mets-lui le petit dôme. Écoute, 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 réglisse. Attends, attends. 59, il n'y a aucun véhicule sur place. C'est ça. Copie. Quand il y a un call radio, pense à. Bien sûr. Si de trop parler, ce qu'il faut qu'on sache. Ah, le temps de finir ma phrase. Oh, oh, oh. Alors, tu t'arrêtes pas. Tu continues. Tu te continues. Tu continues ta route. Trace ta route. Et pourquoi vous voulez que je trace? Parce qu'il y a un camping-car. Ben, il y est quand même depuis hier ou avant-hier aussi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va effectuer, on va regarder si, si le véhicule, il y a du monde dedans aujourd'hui. Ok, ok. Je crois qu'il a abandonné, en fait, c'est pour ça. Vous voyez? 25, on va procéder à un 1038, un camping-car au niveau. Yo, mon gros, de ça va, Yalak? L'école de Coca. C'est quel ou quoi, gros? Sonne là. Vous vas-y voyez quand même, on va aller faire un tour avec nos lampes. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans l'intérieur. T'es peut-être un mort dedans. T'imagines? Ouais, après je peux faire du bouche à bouche, ça me dérange pas, quelle que soit l'odeur. Pourquoi tout de suite? Parce que j'ai l'instinct de survie. Hé hey. Bah, s'il est mort, ton bouche à bouche, il va pas servir à grand chose. Hein. Ça va faire rien, j'aurais donné un peu de réconfort avant de partir. Et à son âme. Je me gare ici? Oh putain oui. De merde! De putain de merde! J'ai le cœur qui est monté quand j'ai vu les deux. Hein? J'ai vu les. Ouais, 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 toujours. Anciennement, fille de 61. Pep, pep, pep! C'est pas un emplacement de truc là? Votre radio, s'il vous plaît. À qui il parle? À moi? Moi j'ai la radio éteinte, hein. L'odeur. Ça va, Claro a pris une fourrière. Eh, hey, Claro a menté. Attendez, on va appeler la petite fourrière, ils vont aller me dégager ce camping-car d'ici. Ouais, ah, alors? Incroyable. Ouais, j'aurais besoin d'une fourrière, hein, s'il vous plaît. Vaaaarr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 
Attendez, je vous ai pas pris à Cacavalo. Pas encore. Montez. Ah allez, regardez ça. Putain de merde, j'ai le coup. Ah, faites du sport un peu, non? Bah un peu, ouais. J'avoue. Ah, on dirait pas quand même, hein, vous... Enfin, t'as qu'à bouffe, là. Dis donc. Bah, je sais pas. Musculature, musculature. T'as votre voisine, hein. Ah, bah c'est parti. Incroyable. Incroyable. Insupportable, sur le Lini. Alors... Camper. Quand même, il est bien rouillé le truc, hein. Va pas là-bas, va pas là-bas, va pas là-bas, va pas là-bas, va pas là-bas. Non, ne va pas là-bas. Bon, on arrête de se monter dessus, c'est ça. Ne va pas là-bas. Non, non, ne fais pas ça. Alors on va faire un test, on va faire un test de dissimulation et de camouflage. Dites-moi là, okay. Là. Qu'est-ce que vous voyez là? De quoi ou ça? Est-ce que je pourrais être là? Qu'est-ce que vous voyez? Un arbre? Mais ben non, au bout de ma main, c'est quoi? Il est tendu. Je bouge. C'est quoi que vous voyez? Bah ben, des arbres. Mais non! Le long de mon... Il y a mon bras, ma main et... Bah un doigt. Bah ouais, ça veut dire que je suis bien caché. Merci. Toujours. Toujours. Toujours le camouflage. Ah à base. J'ai rien compris. C'est pas grave, ça s'appelle du camouflage by Sandisher. Sandisher bébé. Ah. D'accord. Et du coup, vous pourrez me la refaire en... Attends, Sandy Shore bébé, il est là, Sandy Shore bébé. Sandy Shore et... Salut. Et respect. Je te laisse le bébé. Allez, le gros bébé. Mais là. Bon ben monsieur, accompagnez-moi. Vous accompagne. C'est pas vous le gros bébé. Ah bah oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le véhicule est ouvert ou pas? Ah non, du tout, faut non. J'ai une question bête. Ouais. Ça vous va très bien, mais le casque, pourquoi avec tous ces pics là pendant que vous êtes. Alors, c'est très simple. Je ouais. l'utilise comme, comme arme type pour planter des gens. D'accord, donc du coup, vous êtes en train d'avouer que vous portez une arme sur vous, donc non déclarée, non légale. C'est bien ça. Ok, chef. Mmh. Ah, qu'est-ce qu'on fait pour le boulot. Ah, ah. Des fois, j'ai mon tournevis, vous êtes sur moi. Ah, je croyais que vous... Non, ça aurait pu servir pour la boulangerie aussi, pour couper la pâte. Bon, attention les yeux. Ok, je ferme les yeux. Vous m'en faites une belle pâte. Organe pas, organe pas. Ok, bon, je vous explique l'histoire de ça. Est-ce que je suis bien caché? Donc, c'est pour savoir si je suis bien caché, j'ai... Qu'est-ce que vous voyez? Là. Au bout de mon... Voilà. Donc, vous avez dit un doigt. C'est que je suis bien caché. Et vous pouvez vous retourner. Pas oh compris. Ouais. Bien accroché sur votre plateau, incroyable. Vous avez vu ça? Ah ouais. Ouh là là. Je veux dire quoi? Et deuxièmement, c'est quand je me fais poursuivre par des okay. gens qui me veulent du mal, je le jette, je le détache et je le jette. Alors, on va faire un test. On va faire un test, monsieur. Qu'est-ce que vous voyez? C'est crevé les pneus. Qu'est-ce que vous voyez au bout de mon bras là? Là. Donc il y a le bras, ma main, et là, c'est quoi? Je vous montre là. 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 Le Santos. Mais non, ce que je vous montre là, là, ce que j'ai sur, le, sur votre visage, là, regardez près du visage. C'est quoi? C'est votre doigt. Voilà, je suis bien caché. Allez, on y va. Mais je comprends rien, quand même. J'ai pas compris, mais c'était drôle. Ah, c'est... Pardon. Non mais Andolini, vous êtes un crack, hein, ça vaut minable, allez on y retourne. Allez, c'est parti. Waouh. Mais dites-moi, vous en avez encore des vannes pourries comme ça? Ouais. Si elle savait, il y en a un paquet toi. Ok. Vous en avez d'autres des vannes pourries comme ça? Ah oui, 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 pourries, pas pourries, périmées, tout, on a tout. Gardez-les alors. Mais non. Mais non, mais non. Allez. On est reparti.
Mais non, mais non. Qui c'est qui a racheté la ferme ? À l'époque, c'était tonton, tonton Wilfried qui avait la ferme. Et c'est vrai, depuis qu'il était en froid avec papa, il s'était battu pour une poule. Ouais. Elle se baladait entre les deux jardins. Il savait pas qui elle était. Ça tourne un peu ici ? Ça travaille ? Au niveau de la ferme ? Ça mérite une enquête. Vous allez faire partie de quoi, Andolini ? De ce qu'on me permettra. Bah, vous avez le choix entre GND, ID ou canine. Oh, moi j'aime bien tout ce qui est enquête. Apparemment, je suis pas trop mal en enquête. Ça me plaît bien. J'ai l'œil affûté. D'ailleurs, j'ai l'œil de verre de papy. Quand il est mort, il me l'a laissé. Héritage. C'est hashtag qu'on dit quand on est jeune ? Ah ouais, hashtag héritage. Ah ! Oh là là. Mon dieu. Et du coup, ouais, ça et par contre, hélicoptère aussi. Oh, je veux hélicoptère, je veux réussir l'hélicoptère. Yo, Moha ! Mais ça, c'est là. Normal. Ça va ou quoi ? Yes, Nook. Allez, au téléphone. Sais. Ça ne m'étonne pas. Bah du coup, on va venir se chercher. Andolini Gomishonro. À tout de suite, Nook. Bon, ok. Ça, je peux le faire. Si je prends le bip cellule. Ah. Ouais, du coup. Du coup, vous êtes épuisant. Bah, écoutez, oui, je suis désolé. Hein, si on m'appelle la pile, c'est pas pour rien. Comme ma cousine, elle me dit toujours, t'es une pile, tu pars au quart de tour. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... T'es une pile, tu pars au quart de tour. Ouais. Bah, elle dit ça surtout quand on... Vous savez... Bah, si j'en prends l'expression même de la chose, partir au quart de tour, ça veut dire s'énerver vite, hein. Mais je sais pas, non, je m'énerve pas. Quand on fait l'amour avec la cousine, on est bien, hein. Mais t'as... Oh non, c'est vrai, j'avais oublié. Bah oui. Ah bah Gwendoline, elle me dit... T'en avais pas marre d'être consanguin ? Bah non, elle m'a dit, écoute, c'est pas compliqué. Tu sais quoi mon loulou ? Parce qu'elle m'appelle loulou, hein, Lucas. Elle m'a dit, mon loulou, quand tu pars au quart de tour. Elle m'a dit, ce qu'il y a de bien avec toi par contre, c'est que, voilà, t'es comme la pile du Duracell, tu peux repartir plusieurs fois. Déjà, la pile du Duracell, elle ne s'arrête pas. Ah, merde. Ah non, alors elle parlait du lapin. Je sais pas pourquoi, ça doit être glorifiant à mon avis. Ah. Non. Vous savez, des fois on a des petits surnoms, etc. Vous avez un temps de Ken attitude très réduit. Ouais. Mais par contre, vous le faites 15 000 fois par jour. C'est ça. 16 Adam 61, est-ce qu'il y a déjà un code 5 hein, sur mais les je pense 60 que c'est mieux de faire ça proprement. Ouais. Ouais. Bah, je sais pas, après j'écoute les conseils, vous savez, c'est comme les surnoms. C'est comme les surnoms, mon attends, cousin. Attends. C'est fini. Elle dit... Attends. Ouais. À 325, est-ce qu'une unité s'est désignée pour le check ? On a pété les plombs. Personne qui a répondu, non ? On va chercher. Ouais, il y en pique. Ouais, on, okay. On y va après. Merci, Shipper, pour les points. Mais merci, mon gros. On va chercher un deux-spi. Ok. Bon, du coup, j'aimerais comprendre quelque chose. Vous êtes une femme. Donc, moi, je suis un homme. Et ma cousine. Oh, putain de table. Hop, c'est bon. Et ma cousine, donc, elle donne des surnoms. Par exemple, mon cousin, elle appelle mon étalon. Et moi, elle m'appelle mon gnocchi. C'est joli, non ? Votre gnocchi ? Ouais, elle m'appelle. Mon petit gnocchi. C'est mignon, c'est affectif, non ? Par contre, Ojo, elle appelle les talons. Après, moi, j'ai dit, ah, tête de cheval. Alors ? Votre avis ? 16 Adam 84, on est à 1,6 km du dernier 10-60. J'ai dit, ça veut dire que lui, il a des... Une tête de poney, j'en suis sûr. Allez, cours. Je suis à feu.
Vous mais échangez t'es... de place tous les deux. Ah. Donc tu conduis, Andolini, tu vas prendre la radio, moi je vais passer derrière. Ok. Allez, c'est parti. On va le sur check, le check de la supérette. Je vais vous évaluer tous les deux sur le check. À 3.25, on se dirige sur le check du dernier 10.40. C'est bon, je l'avais déjà annoncé. Ouais, mais on sait jamais, histoire de refresh, oui, au moins comme ça. Non, ah, moi il dit radio. Andolini, commencez pas. Mais il dit radio, vous me dites de le faire moins fort, je le fais moins fort. Hein. Non. Je t'ai dit, ouais. Tu n'as pas annoncé deux fois le même call. Des Adam 61, code 4 sur les derniers 10-60 de Sandvitus Boulevard. C'est celle de Paléto, la supérette. Ouais. Il est à 4 km, je crois. Putain, elle était vachement loin. Grave. Mais bon, personne s'annonçait pour le check. Les gens, ils veulent pas faire le check parce que c'est moins drôle. Mais... Est-ce que quelqu'un s'est annoncé tout court pour la supérette? Parce que je l'ai pas entendu ça. Ouais. De quoi? J'ai même pas entendu que quelqu'un s'est annoncé pour la supérette. Ah, si, justement, ils savent très bien s'annoncer pour la supérette. Évite de faire, je t'ai déjà dit, donc attention. Non, mais oui. Laisse mais... les gens se garer sur la droite. S'ils se garent pas, là, tu fais ta dévie. Voilà. Et toi, les laisses partir d'abord sur la droite. Mais en fait, il est parti sur la gauche, du coup, je suis à la droite, puis il s'est mis à droite. Oui, mais c'est normal. Ils font d'abord une petite déviation à gauche et ensuite ils vont se mettre sur la droite. C'est quand ils s'arrêtent en plein milieu, tu vois. Voilà. Toujours, tu restes collé à ta gauche, toi. Tu veux que je te masse pendant que tu conduis? Non, c'est. Andolini, okay. On commence pas. On essaie de rester sérieux là. Ah, bah, je suis très sérieux, mais je le sens contracté, donc du coup, moi, j'aide mes copains. Hein. Il est pas contracté, il sait très bien que je vais le pister jusqu'à temps qu'il soit parfait. Tu vois, voilà. Et comme ça, en fait, il y en a que certains, en fait, qui n'arrivent pas à se décaler entièrement et t'es obligé de passer par leur droite. Ça évite, en fait, les 10-50. C'est une technique que moi, énorme. Quand j'ai des migraines, j'ai pu observer. Donc, je suis peut-être pas une pro en conduite, mais quand tu sais pas conduire, c'est le meilleur moyen de pas te taper des 10-50. Ah non, moi, j'ai jamais vu quelqu'un conduire aussi bien que vous. Hein. Ils font peur. La super, c'est laquelle? Parce que du coup, j'ai pas le point, moi. C'est celle tout en haut, devant le lampe. Ouais, d'ailleurs, quand on dit tout en haut, ça me fait penser à là-haut sur la montagne. L'été est un vieux chalet. Vous connaissez ça? Celle-là, non. Ah. Ok, merci pour le point. Vous êtes plus vieux que moi, hein. C'est vrai? 30 ans? Ouais. Je suis de 91? Ah oui, c'est pas beaucoup plus vieux en fait. Eh voilà! Voilà, tu vois, là, tu dévis sur la droite. 80, hein, 80. Les rames du cul, j'ai l'impression, là, cette année, non? Bah, les perfs, moi, cette année, vous êtes mignons. Mais oui, mais j'ai du mal à dépasser les 160. Ah, mais ça, ouais, je sais pourquoi. T'as bien mangé? Non, je peux pas dire, mais j'ai encore un peu mal aux épaules. Voilà. Ah, le bâtard! Il bâtardo! Ah, j'en ai marre de mes stylos qui marchent pas! Des stylos? Alors, il faut trouver une chaussure en caoutchouc et faire rouler la bille dessus. Ça marche à tous les coups. Tenez, je vous passe ma botte. Mais c'est pénible, il faut que je vous note, donc du coup, je vous note à chaque fois. Mais. Oh non, ils sont déjà partis. Ah, ouais, non, c'est vrai, on a le check. Check. Allez, je prends là l'étal. Buzzer. Alors, knock. Le plus proche de la porte. Knock. Le plus proche de la porte. Je me remonte dans la voiture. À quel moment on se gare comme ça pour un braquage de supérette? Bah, on se prépare à repartir. C'est le but, c'est d'arriver quand même vite au cas où il n'y a pas de danger. En frontal, Andolini. Je me remonte dans la voiture. Je fais la circulation, circulez, laissez-le reculer. Mais je vous assure que je comprends ce que c'est vous voulez. C'est en latéral, je t'ai dit, soit tu arrives en latéral, côté. Passe à l'arrière, je vais te montrer. Oui, passe comme à ça. Passe à l'arrière. Oh, tu es arrivé. C'est quand tu veux, mon coco, hein. 4 pour le 1060 de Virtus Street. Voilà. Toi, tu es arrivé comme ça. Donc, la manœuvre la plus simple. C'est soit tu t'arrêtes comme ça. Tu seras toujours au moyen de repartir, tu vois. Je suis pas à l'envers, tu vois, je peux repartir. Mmh. Donc c'est-à-dire que si tu t'arrêtes comme ça, tu donnes la létale à ton camarade. Toi, tu prends donc le truc. Le taser. Voilà. Étant donné qu'un check supéré, ça doit être rapide. Pourquoi? Parce que si jamais il y a besoin de backup, c'est à nous d'y aller.
D'accord. Donc, Sophie. Faire le petit demi-tour princier, genre en mode « Ah bah voilà, c'est moi du coup qui vais prendre la létale. » Non, c'est pas un concours de savoir qui va faire le call. Mm-hmm. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous former. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas pris la létale que tu n'auras pas acquis la situation. Donc, celui qui prend en volant, toujours taser. De quoi ? Celui qui est volant, toujours taser, d'après vous dire. C'est celui le plus proche de l'entrée. Oui, mais d'après voilà, ce que vous venez de dire. Attendez, je peux vous poser une question ? Oui. Par rapport à comment vous êtes arrivé, donc si vous préconisez d'arriver comme ça, donc pour le coup, on serait arrivé par là, on aurait coupé ici. Ok. On serait donc arrivé par ce chemin. Ouais, plus proche l'étal. Par ce chemin, hop, moyen d'arriver le plus proche, tu t'arrêtes comme ça. Qui c'est le plus proche à ce moment-là, c'est donc ton conducteur. Ok. Voilà, nous, dans la manière où on est arrivé, mais ta mère, tu vois pas que c'est occupé ? Hé ! Donc, hop, nous on est arrivé Voyable. De ce côté-là. Ouais. Le frontal, c'est ouais. Mieux, c'est ici. On sort. Mm-hmm. Voilà. Donc, étant donné qu'on se poste donc côté passager le plus près, c'est je veux voir Andolini à la létale et Nook à la au taser. Attention, je vais une check supérette impeccable. Vous vous coordonnez. Ok, LSPD, enlève les mains en l'air, on lâche les armes, bordel de merde. On va rentrer, lâchez les armes. Ok, l'SSD, on rentre. Check droite, check gauche, ok. RS, LSPD, on va commencer, on va rentrer. LSPD, LSSD, dernière fois. Voilà, c'est bon. Ok, RS. On est toujours sur place. Alors, quand vous êtes deux, je sais qu'on vous a pas forcément, on vous a appris à l'arrache. On va ressortir. La létale se met toujours du côté pour être en avant, forcément, puisque comme je t'ai expliqué hier, le taser doit être en support. C'est-à-dire que forcément, la létale, dans ce contexte-là, vu que le comptoir est à gauche, doit se mettre à gauche. Pourquoi ? Parce que quand vous allez rentrer, je vous laisse me suivre, il y en a un qui va partir à droite et l'autre à gauche. Pour la personne qui va être à gauche, ça va être donc... à droite, pardon. C'est la personne qui va donc être au taser. Taser. C'est Nook. Mmh. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas faire le check supérette comme ça, tu vois, tu vas être en biais comme ça. C'est pour vraiment avoir les rayons plus ton collègue, au cas où qui se fasse tirer dessus. Okay. Toi, tu dis donc un check droite. C'est toi qui t'occupes des rayons. Andolini, lui, vu qu'il a la létale, il va donc s'occuper de couvrir je la vais rentrer. Centrale. Toi, okay. LSSD, je rentre. Au flanc gauche, quand tu vas rentrer... Tu vas donc rentrer comme ça tout de suite, pointeur en bas du comptoir, parce que tu peux pas, vu qu'il y a le voir le s'il est derrière. Voilà, tu lui dis bien, restez bien couché derrière le comptoir, ne bougez pas, n'ayez pas peur, le LSSD est là. Enfin, tu vois, tu le rassures. Et là, avant même de quoi que ce soit, tu fais un check derrière le comptoir de visu. Ok. Tu attends que ton Adam partner soit revenu avec toi à cette position ici, parce qu'il faut que vous vous couvriez. Vous vous rendez pas compte, ça va très très vite. Hein. Le jour où ça fusille, ça va très vite. T'inquiète pas. Et ça s'est vu sur les YouTube. Et là, toi qui viens donc de ton comptoir, hop, tu viens faire ton ça, poulet. Et t'attends la dame partir qui te couvre. Au cas où il y en avait un caché dans le comptoir. Du dernier 10-40. Non, dès que t'as fini ton comptoir, tu fais demi-tour et poste avant-garde sur la garde derrière. Et là, tu fais tes derniers calls. Ton Adam partner est de retour avec toi. Et les saisies, on va rentrer, les saisies, on rentre, et les saisies, voilà. Ok, hop. Parfait. Voilà. Merci Toum. Merci, mon gros. Parfait, capté. Je pensais que c'est une histoire d'équipe, c'est pas... Ok. C'est les checks supérettes, c'est le meilleur moyen de voir si les Adam partenaires sont faits pour être ensemble. Ok. Eh ben, on est reparti. On est reparti dans l'exemple. Normalement, je suis souvent passager. On met souvent, du coup, à la létale, parce que en fonction de où on arrive, c'est généralement le passager qui va prendre la létale. Mais ça change rien. Si par exemple, dans la dame, la casser la vitre on encore. Sait qu'il y en a plus timide que au niveau de la parole, en imaginant... 16 Adam 70, on part en 10-56 d'une primo grise occupée 3 fois, on aura besoin d'un petit backup après le check, s'il vous plaît. C'est capté, Adam 61. C'est moi ou il a pas dit la direction ? Non, mais on s'en fiche, c'est pas pour nous. Ok. Par contre, par exemple encore, il y a eu la supérette, il y a personne qui a pris le check, hein ? Si. T'es sûr ? Donc, je te laisse annoncer que Tango 325, c'est un code 4 sur le 1040 de Paléto. Parce que vu qu'on a deux supérettes en cours, faut donc prévenir qu'il y en a une, c'est bon.
Tango 360, c'est un... Code 4 sur le 1040 de Paletto. Check Superette. Check Superette, bien sûr. T'as annoncé Tango combien, 360? Non, non, 325. Ok. Pourquoi? Il faut savoir que les checks Superette, c'est chiant. Vous pouvez le faire à la rigolade, s'il y en a qui sont là à hurler comme des putois, à faire ça. Mais il faut faire ça correctement. Yo, Paquito. Le problème, c'est que chaque personne a sa méthode. Bon, moi, on m'a dit, faut coller. Quand on est au taser, on colle la personne pour être toujours derrière. Mais en fait, il faudrait se mettre d'accord dans le service, je pense. Ouais. Alors, je veux bien que tu colles. Réfléchissez, c'est de la logique. Si tu colles ton Adam Partner, si t'as quelqu'un qui t'arrive par derrière, tu fais comment? Mais justement, lui, il y regarde devant, moi, je regarde derrière. C'est pas le problème, c'est le problème que du coup vous n'avez pas un visu global. Moi j'ai. C'est pour ça qu'on doit englober. Ouais, mais moi j'ai une question quand même, parce que comme je disais tout à l'heure, moi je vous écoute à 200%, hein, ma colle, y'a pas de souci. Maintenant, une patrouille, une autre, y a, en fait, vous mettez pas d'accord entre vous, en fait, c'est oui, ça, voilà, c'est ça le si, parce que le problème c'est que c'est les agents de la SA qui sont censés vous former, donc c'est-à-dire moi. D'accord. Taker, des trucs comme ça. Taker a certainement dû vous apprendre comme je vous ai appris à la base quand vous avez fait votre formation Superette. Si vous a appris le contraire, je ne le comprends pas parce que c'est lui-même qui d'accord. m'a formé. Il fait partie de la SA. C'est les gens de la SA à la base qui sont censés vous apprendre les formations initiales. Okay. Donc si vous faites des checks Superette à la ZEB, c'est à vous la ZEB. Qui prenons derrière. D'accord. Donc, okay. Taker, il me semble que le premier que j'ai fait moi pendant la formation, tout ça avec le PPA, il disait ton justement de rester ensemble. Tourne à gauche. On va prendre les petits chemins, on va les check un peu dans les montagnes. Hmm. Utilisez Nook. Il me semble que justement Taker, c'est avec lui que j'ai fait la formation, tout ça, il m'a dit on reste ensemble. On jamais. C'est toujours. Par contre, ce qui serait intéressant. Un à droite, un à gauche, mais on se garde tout. C'est ce que je te disais. Quand tu fais ton check à droite ou ton check à gauche, tu gagnes toujours ton Adam Partner en visu. Mais ce qui serait intéressant, c'est que vous remontiez peut-être ces informations qu'on vous donne aussi et qu'on est un peu perdu en tant que boot, vite fait, hein, quand je dis perdu, parce que pour le coup, après on est recalé, c'est bon, on a compris. Mais perdu dans le sens qu'en fait, il faut avoir une même et seule rigueur par rapport à chaque procédure. Parce que pour le coup, sincèrement, ça, les planques, les si, il y en a qui montent sur les propriétés privées, d'autres que non, le si, le là. Donc, Parce que ça, c'est des agents qui veulent en faire qu'à leur tête, d'accord. Malheureusement. C'est malheureusement, on aura beau faire remonter, il y en a qui continueront toujours. Regarde en permanence pendant les cérémonies le nombre de rappels qu'il y a. Tu trouves que la radio de notre côté, elle s'est améliorée? Tous les soirs de cérémonie. Ça va quand même. Tous les soirs, non, je te parle de... Tous les soirs de cérémonie, il y a des rappels de la radio. Tous d'accord. les jours. Toutes les semaines, pardon. D'accord. Toutes les semaines, ils rappellent le... Écoutez-vous en radio, arrêtez de vous couper, arrêtez de machin, arrêtez de trucs, arrêtez de spammer. Mm-hmm. Regarde tout à l'heure en deux lignes, ça s'est vu. On est allé sur un 1060, on a demandé s'il y avait une personne déjà là présente là-bas. Aucune réponse, on s'est annoncé pour aller sur ce dernier 1060. On est arrivé là-bas, il y avait déjà une unité en code 5. C'est vrai. Tout à l'heure avec Rogers, on s'est annoncé sur un 1060, c'est quelqu'un qui a voulu le prendre juste après. Ouais, c'est pas ouf. Donc moi du coup j'ai pété un plan en radio, tu peux demander à Andolini. Et j'ai demandé à ce que les agents s'écoutent et écoutent la radio. Pays et City Avenue. Parce que c'est ça commence à être pénible en fait. Et c'est ils ont beau le répéter, ça fait plus d'un mois et demi moi que je suis ici. Plus d'un mois et demi que c'est le même cinéma tout le temps. Il y en a qui n'écoutent pas l'école des autres. Ouais quand même. Ouais. Ils sont persuadés que s'ils ne s'annoncent pas en même temps que les autres, c'est qu'on les a pas pris. Mais nous on a été plus rapide où les trucs sont déjà là depuis un moment. D'accord. Ok. Donc c'est pour ça, moi je vous redonne les bonnes formations de la Sheriff Academy. Maintenant vous les prenez en compte, vous les prenez pas en compte. Mais le jour où vous vous retrouvez en situation difficile, là c'est les checks supérettes généralement ils sont toujours vides. Il n'y a jamais rien. Oh, moi j'ai vu des petites astuces, surtout sympa. C'est qu'il faut bien faire attention parce que le mec il part en fait et il laisse le mec qui a l'argent dans la supérette avec une voiture cachée derrière, il se taille après. Voilà. Des fois, s'il n'y a pas de check supérette, on peut se faire baiser comme ça. Bah, il est le braqueur. Bah, le braqueur, il était encore dans le check supérette. C'est ça. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut englober la supérette pour couvrir les quatre coins de la supérette, toujours savoir en visu. Parce que le problème, c'est qu'à vous coller, vous n'avez pas la perspective dans les coins. Dans les coins, sur les côtés ou derrière les étagères. Non, c'est clair. Attendez, je ferme les yeux 2 secondes. Je ferme les yeux. Pleine lune, j'ai peur de me transformer en loup-garou. Voilà, c'est bon. D'accord, mais la pleine lune est toujours là.
Ah ouais, ouais, mais maintenant. Ouais, mais j'ai tourné les yeux vers la gauche. Ah, ok. Ouais, je te regarde qu'à toi maintenant. Joli dégradé. Merci. Il a annoncé son 10-10, Bernet. Ah non, il est là. Ok, il est en 10-6 procédure. Enfin voilà, il faut vraiment que vous pensiez que c'est hyper méga super important. Mm-hmm. Je suis pas là pour vous embêter. Hein, ah bah non, 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 on prend les conseils. Bah moi au contraire. Ah oui. Aussi, par exemple, vous m'avez dit c'est la personne proche de la porte qui prend la létale. Bon, pendant la formation, on m'a dit on se met juste d'accord au début, en sortant de la voiture. Exactement, oui, c'est exactement ce qu'on m'a dit aussi. Que c'est dans l'éthique de la chose, c'est on se met d'accord, sauf que quand généralement tu as du bruit en radio, que t'es sur le truc, il y a à la base une procédure. Et la procédure dit c'est la personne la plus proche de la porte qui prend donc la létale. Mmh. Parce que tout de suite, tu vois, si même avant même de rentrer dans le truc, tu peux viser la porte avec ton arme, bien sûr. L'arme létale se retrouvera bien donc sûr. En premier poste. L'arme de soutien qui est donc le taser se retrouvera donc derrière. C'est de la logique. Il suffit juste de réfléchir en fait. Après moi la logique voudrait que, sérieux hein, comme il y a eu un braquage normalement c'est arme létale ou des trucs comme ça. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Quand les mecs font un braquage c'est l'arme létale? Non. Non, non. Pas forcément? Ah d'accord, ok, ok, ok. C'est une arme armée mais c'est pas forcément une arme létale qu'ils ont. Si oui tu les vois sortir une arme létale, tu sors ton arme létale. Bien sûr. Si tu vois sortir un couteau, même pas. Alors, si tu vois sortir un couteau, c'est aussi arme létale parce que c'est une arme blanche. D'accord. Ok, ok, ok. Il faut donc que tu le neutralises, tu ne le fais pas, tu le neutralises avec ton Glock. Ok, ok. Mais par contre, si tu n'as aucun visu sur ce que c'est, sur ce qu'il a sur lui ou dans son sac, dans le doute, malheureusement, c'est taser. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un retour PDP? Tu prends ton 10-10? Ouais. Alors go Mission Roanoke. Petite, je pense petite sieste. Histoire d'être en forme ce soir. Ah ouais, vous savez, à 30 ans, il faut la sieste, hein. 30 ans. 30 ans la sieste, t'es... Ah bah oui. T'es pas si vieux que ça, hein. Bah non. Il y a des braquages à l'appel, c'est-à-dire aux écrits, des braquages. À 177, 10-19 sur le dernier 10-62 km. Putain, ça vante de fou quand même. Oh là là, comparé à hier. Capté. De quoi? Je dis ça a vendu cet après-midi, mais de fou comparé à hier. Oh, ça arrête pas. Ah ouais. Vous avez vu la photo que Burnett a mis dans photo preuve? Non, non. Le sac de billets que le gars avait. Ah ouais. Bah regarde. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je l'ai vu, 25. Énorme, hein. Ça, il doit y avoir le seum. Bah là, ouais. Là, il doit avoir... C'est plus le seum. C'est le supra-seum, ouais. Seum. Contrôle routier, on n'en a pas fait. Ouais, ça, ils ont bien roulé aujourd'hui, c'est cool. Check superette. C'est plutôt cool, hein. En tout cas, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on se retrouve ce soir pour 21h, 21h30, comme d'habitude. Vous pouvez checker le Discord, c'est pas compliqué. Indirect, voilà. Vous checkez le Discord et vous voyez le planning. Ça stream de ouf, donc tous les après-midi, les matins, même des fois sur Extinction. Extinction demain, je saigne. Extinction demain en live. Voilà, je le saigne. C'est l'expédie pour tous, c'est pas une course, hein. Donc du coup le soir RP les gars, voilà. On va partir en 10-56 sur une Sabre custom noire, occupée deux fois. Dès 21h. On n'est pas sur une course de celui qui l'aura en premier. Hein. C'est saoulant, ouais. C'est pénible. Attends, bouge pas. Putain de téléphone de merde. Ah. Votre radio, faites attention. Et donc, quand je stream le matin, c'est Extinction. Quand je stream les après-midi, d'habitude, c'est du RP. Et le soir, c'est full RP. Et les après-midi, par contre, je pense demain, si Extinction, il démarre avec le crew TLG, on va tout niquer demain après-midi. Faire découvrir un peu tout ça, la base, le crew, le si. Il y a des trucs de fou, donc j'ai envie de découvrir ça à fond. Je suis hypé de ouf. En tout cas, ce soir, 21h, 21h30, on se retrouve.
Indirect. Capté. Voilà les amis, bon bah écoutez, on fait ça, on se check ce soir. Je vous tape la bise les gars. Merci encore pour ce live de fou, merci pour les subs, merci pour les follow, merci pour les beats. Merci à vous tout court d'être là, dans le soutien. Et on continue les aventures de Lucas, c'est que le début, vous l'avez compris. Donc je vous laisse me suivre, n'hésitez pas, avec plaisir. Et je vous dis, hold up, TLG gang les gars, TLG gang. Allez, on est parti, donc je vous dis à ce soir. Ciao, mes TLG, à ce soir.